Bonjour à tous, cette émission contient des spoilers et pas mal en plus. Donc si vous n'avez pas vu l'ensemble des films du MCU, faites attention à vous et nous vous conseillons vivement de regarder ces films dans l'ordre, car c'est quand même une superbe expérience. Et si vous avez tout vu, bah, bonne écoute à vous et bisous. Bonjour et bienvenue sur Fils de Plume, dans ce nouveau format que vous avez pu découvrir déjà la semaine dernière, qui s'appelle Hors-Champ, donc comme vous le savez, un format sur le cinéma. Aujourd'hui, je suis avec Ioannis Ménard-Ballet, bonjour. Bonjour, c'est moi. Oh, et on est chez toi en plus. Bah ouais, chez moi, c'est moi. Et avec Soren Briand, bonjour. On ne me présente plus. Voilà, bonjour. je ne te présente même plus. Quel homme. Voilà, d'ailleurs, je vais rien dire. Super. Tout le monde le connaît déjà, voilà. Donc nous sommes tous les trois pour revenir sur un sujet qui a beaucoup animé le cinéma, ou en tout cas les critiques ciné, ou même tout ce qu'on peut... Nos conversations aussi. Nos conversations, énormément nos conversations, oui. Mais ça, c'est... Voilà. C'est donc, vous l'avez vu dans le titre, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, où aujourd'hui on va un petit peu faire une petite rétrospective plus ou moins de ces films et de voir en fait leur pertinence dans leur format et par rapport à l'adaptation qu'ils font. Voilà, donc je vais laisser Ioannis un petit peu introduire très légèrement, historiquement, de tes souvenirs et de tes articles que tu as lus. Voilà, brièvement, une petite genèse du projet. Projet initiative du MCU, pour reprendre les mots de Nick Fury. Mais c'est début. Le premier film est sorti en 2008, donc avec Iron Man, suivi de l'incroyable Hulk la même année. Et à l'époque, Marvel, c'était un peu la merde. Marvel, donc ça, ils vendaient un petit peu les droits. Ils avaient vendu un peu quelques années avant. Ils avaient vendu pas mal de droits de personnages à plein de maisons de production, notamment à Sony, hein, qui a toujours Spider-Man. Et d'ailleurs, X-Men aussi, je crois. Les X-Men, du coup, qui étaient détenus par la Fox. Non. Et maintenant que Disney a racheté la Fox, du coup, les X-Men et les 4 Fantastiques reviennent à Marvel, parce que Marvel a été racheté par Disney. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça a été une aubaine pour les films Marvel, parce que bon, quand la Fox a été rachetée par Disney, tout le monde a commencé un peu à s'inquiéter de ce qu'allait devenir... Pas Marvel, mais les films en général. Mais quand Marvel a été racheté, ça a été quand même une bonne nouvelle pour Marvel. Donc, la Fox, t'as dit Marvel. Oui, non, c'est quand Marvel a été racheté par Disney, c'était une bonne nouvelle. Alors que quand Fox a été racheté, tout le monde était un peu en mode « Ouais, là, s'il n'y a qu'une seule maison qui détient tout le monde, ça va être... » Enfin, tout le monde, on va dire, tous les films. Quoi. Si tous les films qui sortent par an, c'est juste Disney, ça fait chier, quoi. Ah ouais. Enfin voilà, du coup, Kevin Feige, donc qui était à la tête de Marvel Studios début 2000, donc il se décide un grand fan de comics depuis toujours. Bon, c'est un peu comme ça qu'il est tombé à la tête de Marvel. Hein, et il a l'ambition d'adapter tous ses comics, soit l'univers étendu des comics. Il dit oui, mais faut pas seulement faire des films comme ça à droite à gauche, faut vraiment un univers étendu au cinéma, quoi. Donc ça s'est appelé d'abord Marvel Cinema Universe, puis après ça s'est appelé Marvel Cinematic Universe, wow, parce que ça sonnait mieux. Changement. Honnêtement, les mecs de 8 ans de réunion. 8 ans de réunion, honnêtement, voilà. 8 ans d'âgé, voilà, toutes les deux semaines. Tout bon, ça pour un tic. Voilà. Non, mais il faut l'enlever bien avec le petit pied de biche et tout, tu connais. et du coup, voilà, donc Marvel, donc ça, c'était pas niveau thune, c'était un peu la galère. Donc, petite anecdote, je suis tombé dessus il y a 2-3 semaines. Kevin Feige a emprunté des sous à la banque pour pouvoir tourner Iron Man. Et en garantie. Et donc le premier film du MCU. Le premier film du MCU, qui lance le MCU. Il a donc mis en garantie à la banque des droits d'adaptation de personnages, notamment Doctor Strange et Black Panther. Donc ils avaient tellement pas de thunes, ils ont été obligés de mettre leurs personnages en garantie. Donc voilà, pour donner un peu la situation financière au tout début. Et aussi, comme s'ils n'avaient pas... autre anecdote, comme ils ne savaient pas si ça allait marcher, la scène post-générique à la fin d'Iron Man, quand Iron Man est sorti au cinéma, ils ne l'avaient pas mise. Oui, c'est vrai. La scène à la fin d'Iron Man qui tease les Avengers...
quand Nick Fury, quand Tony Stark il arrive chez lui, il y a Nick Fury en mode bon bah je vais vous parler maintenant du projet Initiative. Ça a été enlevé parce qu'il savait pas si le film allait marcher. Quoi. Mais ça a été enlevé. Je crois que ça a été enlevé qu'à la projection presse. Ça a été enlevé au tout début des à la première il me semble. La première. Je crois que c'était les premières projections presse. Ouais, c'est ça. Une fois au cinéma pour le grand public et tout ça, je crois qu'il y avait quand même la. La scène post-générique. Parce que le grand public à l'époque s'en battait les couilles parce que c'était les scènes post-génériques à l'époque, c'était pas connu. Ça a commencé à ça s'est un peu popularisé en 2009. Enfin, les gens ont commencé à regarder vraiment les scènes post-génériques en 2009. Donc le MCU a commencé un peu en tremblant des genoux. C'était pas sûr. Alors aujourd'hui, on a l'impression que genre, ça a toujours été là, sauf qu'à l'époque, c'était ils n'étaient pas sereins. Quoi. Bon, en même temps, bon, c'était il y a 12 ans, mais on a l'impression que. Ouais, au début c'était presque ça a 12 ans tu vois genre ça a 12 ans genre c'est le MCU est en 5e voilà cette année le MCU rentre en 5e voilà on est très fiers de lui dit comme ça j'ai l'impression genre c'est tout alors jeune. Oui parce que du coup pour revenir un petit peu sur notre histoire avec le MCU vous avez découvert le MCU au cinéma. Oui, ouais, en 2008, j'étais au Cinoche, Iron Man, je savais pas ce que j'allais voir du tout. T'allais voir, ouais, j'ai grandi avec moi. On a toujours, on est toujours allé voir les films de super-héros avec ma soeur et mon père, que ce soit les X-Men et tout, les Spider-Man. Et on est allé voir Iron Man en disant, ouais, c'est un film de super-héros sympa. Et puis tous les ans, il y en avait un nouveau. On disait, putain, c'est sympa, dis donc. Ça s'arrêtera jamais. Et c'est quand ils ont annoncé Avengers que on s'est rendu compte que c'était tout un truc tout lié. Et genre, on était comme des fous, tu vois. Genre, moi, j'ai quand ils ont annoncé Avengers. Ouais. Moi, t'avais pas remarqué avant. Ah non, mais moi, j'étais relativement jeune. Hein. Enfin, après, j'avais le même âge que toi, mais j'étais juste bête. Ouais, t'avais 3 jours de plus que moi. C'est ça. Mais j'étais juste bête, en fait. Et du coup, j'avais pas compris le principe. Et je l'ai compris que très tard avec Avengers. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, en fait. Enfin, pour un fan de super-héros, les bails comme ça, je me suis dit, c'est waouh. Waouh, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ça ne s'est jamais arrêté, enfin, si. Ouais, quand, enfin, bref. Quand à la fin de l'incroyable Hulk, il y a Tony Stark, quand à la fin d'Iron Man 2, il tease encore les Avengers, quand dans Thor, il te tease Avengers, quand dans Captain America, là, du coup, là, il tease encore plus Avengers. Ouais. Et donc, c'était avant la sortie de Captain America, donc en 2011, si je dis pas de conneries. Le film d'avant, donc, c'était Thor. Là, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait... qu'ils faisaient des références et tout. C'est avec Thor, je m'en suis rendu compte. Et quand Avengers est sorti, j'étais en mode. Mais attends, le mec avec l'arc là, c'est pas celui qu'on voit qui tire à l'arc dans Thor. Et quand Avengers est sorti, je me suis pris une double claque parce que déjà c'était exceptionnel et aussi parce que. Ah, mais en fait, ils avaient prévu le truc, mais ils nous avaient dit des trucs et quand tu savais pas, tu voyais pas bien avant de faire le rapprochement. D'ailleurs, les gens n'ont certainement pas fait le rapprochement qu'il y avait Jeremy Renner dans Thor, tu vois. Mais, non, c'est quelque chose que tu revois après coup. Bref. Donc vous avez tous les deux découvert le MCU directement au cinéma, en vous prenant la claque finalement de l'arrivée de l'univers étendu en fait. Cinéma, la claque Avengers. Iron Man 2, quand il y a le marteau de Thor à la fin d'Iron Man 2. Ah mon dieu. Moi je dois dire, j'ai pris une claque qui était un peu différente parce qu'en fait, je savais depuis longtemps que ces films-là existaient parce que je les ai découverts très dernièrement. Voilà, oh là, 2018, putain, une bière à 14 ans, c'est pas ouf. 2018, non? Mais en fait, c'est même parce que c'est pour la sortie d'Infinity War où là je me suis dit, ouais, en fait, c'est un événement qui est tellement mondial. Je me suis dit, bon, 2000, vas-y, allez, pour une. Je me suis dit, 2018. Et je me suis dit, vas-y, c'est pour 2018, une. 18, pas 17 en 2018. 2018, ouais, ça doit être ça. Ouais. Et je me dis, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, pour Endgame, je les ai tous vus. Et en fait, je me les suis maté et je me les suis rematé et je me suis maté dans tous les sens et je suis devenu assez fan en fait de cet univers-là. Alors que j'avais dû voir un Thor, j'avais vu les Iron Man, mais j'avais pas fait vraiment le lien. J'avais vu Avengers, mais j'avais vraiment passé une mauvaise expérience parce que j'avais regardé devant un PC qui cropait, c'était dégueulasse. Et en fait, je les ai redécouverts, mais en m'attendant à revoir en fait quelque chose qui me décevait un petit peu. Et en fait, non, je me suis éclaté. Je suis vraiment éclaté devant. Alors évidemment, il y a des inégalités, on va revenir dessus. Mais moi, j'ai découvert avec. En fait, moi, j'ai découvert le MCU. J'avais vu quelques films de super-héros, tu vois, et dont certains du MCU. Mais j'étais très, très loin de voir quelle était la folie de cet univers-là. Ouais, mais t'as vraiment, pour le coup, moi, j'ai découvert avec déjà mes études du visuel et tout ça, quoi. T'avais déjà un savoir cinématographique, une culture cinématographique avant de les voir. Alors que moi, c'est un peu avec ça aussi que je me suis construit. Pareil. Mais surtout, là où j'avais où quand on a eu beaucoup de discussions animées avec plein de potes sur le MCU et tout,
Et Simon, bah, pendant des années, j'ai lutté en mode non, mais faut que tu regardes ça, c'est génial. Et quand, quand il a commencé à s'y mettre, alors j'étais mais au début, très heureux parce qu'il a aimé, parce que j'avais très peur qu'il aime pas et que du coup ça soit une conversation de plus où on n'est pas d'accord. Mais surtout, j'avais un peu le seum parce que je me suis dit, bah ouais, tu kiffes. Mais si tu m'avais écouté, t'aurais kiffé plus vite. Ouais, mais justement, moi j'avais très peur de les regarder parce que je me suis dit, oh là, imagine, je trouve ça chier, putain, mais on va jamais s'entendre avec ça, avec Yo. Tu vois, que déjà, avec d'autres potes, déjà, on s'engueulait là-dessus. D'ici, on a un qui se rajoute dans les engueulades, ça va être pratique les soirées. Hein. Ouais, c'est ça. C'est, je voulais pas. Mais en fait, j'appréhendais un petit peu, ouais, parce que je sais que j'étais assez exigeant et cinématographiquement sur plein de trucs. Et puis finalement, je me suis vraiment laissé porter par l'univers. Mais on va revenir un petit peu sur chaque film. Donc. On va faire cette émission peut être un petit peu longue parce qu'on va revenir sans doute sur chaque film. On va essayer de pas trop s'éterniser sur chacun et on va laisser à chaque fois Ioannis présenter donc le film, le réalisateur rapidement, juste avec ses connaissances. Donc on verra. Voilà, il peut y avoir des petites lacunes, mais on va te laisser juste. Il va y avoir des lacunes et des fois des erreurs parce que. Ouais, mais on va essayer de se corriger les uns les autres et puis sinon on cherchera sur internet en direct comme on fait d'habitude. Hein. Wiki Soren. Voilà. Ah non, je n'ai pas mon wiki avec moi. Ah bon bah très bien, bah j'ai un wiki, t'inquiète. Du coup le premier film sorti en 2008. Donc Iron Man 2008, réalisé par Jon Favreau, qui à l'époque était surtout connu pour être un producteur. Ouais, pas un réalisateur, c'est avec Iron Man qu'il a commencé à être connu en tant que réalisateur. Et encore, même encore aujourd'hui, il a réalisé peu de films, mais pas notamment des très bons films. Tu vois. À part Iron Man, il n'a pas fait des trucs ultra ouf. Il y a hashtag Chef qui était vraiment pas mal, mais qui n'a rien à voir avec les super-héros. C'est un mec qui fait des sandwichs cubains dans son van. De lui, j'ai regardé Cowboy. C'est un très bon film. Du même réalisateur, j'ai regardé Cowboy versus Alien. Et alors, autant le casting est génial, autant le film est nul. Attends, mais casting de rêve. Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford, Paul Dano, j'ai envie de dire. Sam Rockwell, putain. Mais il y a tout le monde dans ce film, putain. Tout était là pour réussir. Et bon, en tout cas, c'est mauvais. Dommage. Et à l'inverse, là, on a dans Iron Man, donc on a un casting assez improbable avec le retour de Robert Downey Jr. qui était un petit peu dans une phase de qui était un gros junkie. Hein, il revenait de tôle. Hein, c'est Mel Gibson qui l'avait sorti de tôle. Ouais, c'est la seule bonne action de Mel Gibson pour l'humanité. Je ne me pencherai pas sur ce sujet. Non, on va pas commencer à parler d'antisémitisme et de racisme. Là, c'est bon, on va passer à autre chose. Merci. Mais donc un succès assez attendu et inattendu en même temps parce qu'ils ont commencé avec Iron Man qui est quand même le super-héros le moins connu en 2008 tout le monde s'en battait les couilles d'Iron Man. Voilà, c'est pas du tout un des grands connus de Marvel et encore moins si on mélange aussi DC et les autres boîtes donc. Bah, la preuve dans les comics dont tu m'avais parlé c'est pas si c'est l'Infinity Gauntlet ou je sais pas quoi où justement spoiler où il meurt en hors champ. Ouais, dans Infinity Gauntlet, à un moment donné, tu te rends compte qu'Iron Man est mort. Déjà, il sert à rien dans le comics, mais à un moment donné, ah bah, il s'est fait décapiter, effectivement. Oui, ça intéresse quelqu'un. Non, ça intéresse personne. Oh là, je vous dis ça comme ça. Donc, c'est assez paradoxal, finalement, de commencer par adapter un personnage qui n'est pas si connu que ça. Surtout en 2008, où les moyens technologiques d'effets spéciaux, de machin, y avait plus facile. Pour commencer, parce qu'Iron Man, si l'armure et les séquences de baston avec l'armure, ça ressemble à rien, le film, c'est un échec complet. Et tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Commencer plutôt par, je sais pas, Captain America, où t'as pas besoin d'avoir des CGI, des effets spéciaux tout le temps, quoi. Ah ouais, mais ça coûte cher hein, de faire un film historique. C'est pour ça qu'il a bien fait Ouais, mais visuellement, c'est Iron Man, ça aurait pu facilement se casser la gueule, quoi. Il a très très bien vieilli, mais à l'époque. Et d'ailleurs, il a pas vieilli. Oui, il a pas vieilli, d'ailleurs. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vieilli? C'est parce que, justement, il y a eu une concentration des moyens. Le film n'a aucune prétention narrative. Il est finalement assez simple à raconter. Le réalisateur est justement, on l'a vu, quelqu'un de plutôt exécutant et plutôt docile avec la production puisqu'il en fait partie lui-même. Ah, c'est plus un producteur. Voilà, c'est un producteur. Et en fait, il a fait un taf très bien, très, très, très soft, en fait, avec finalement peu de grandes idées de mise en scène. Mais par contre, des mises en scène qui marchent très bien, avec justement exploiter le charisme de Robert Downey Jr. en lui filant des plans séquences pour justement montrer la rapidité avec laquelle il peut répondre et à quel point Iron Man est plus intelligent que la moyenne. Donc en fait un film finalement assez assez classique dans la découverte du héros, la découverte de soi et de ça, finalement on l'a vu mille fois, mais
très bien exécuté et une très bonne manière finalement d'introduire dans le MCU un film qui en 2008 a moins vieilli que certains autres films sortis bien plus tard, oui. Notamment des films du MCU. C'est-à-dire que c'est vrai que le premier Iron Man, on se l'est regardé ensemble il y a quelques mois, voilà. Et c'est vrai qu'il a très très bien vieilli. Il a un très bon rythme et il fait pas, voilà, ça renouvelle pas le cinéma. Mais par contre, ça installe quelque chose qui n'est pas prêt de bouger. Quoi. Ouais. Il y a un très bon choix de BO, je trouve, dans Iron Man. Le fait de Ramin Djawadi, l'élève de Zimmer. Oui, oui, non, mais aussi ACDC. Ah. Le fait qu'ACDC revienne assez souvent dans Iron Man, je trouve ça très, très bien. Oui, c'est ça. Prendre de la pop culture et puis... Et mettre un peu tout le monde d'accord avec ça. En tout cas, c'était voilà, un film qui n'avait pas finalement une très grande ambition, même si c'était déjà très ambitieux sur par rapport à l'échelle du studio à l'époque. Mais qui par contre a réussi à tout simplement se concentrer sur l'essentiel pour fournir un film qui est impérissable en fait. Et d'ailleurs, on verra que pour moi, ce n'est pas le cas de tous les films du MCU. Et ça reste aussi, après, bon, bah, ça c'est pour des raisons scénaristiques parce que quand on rajoute des personnages, c'est tout de suite plus compliqué. Mais Iron Man reste l'un, pour ne pas dire le meilleur, l'un des meilleurs du MCU. Quoi. Il est dans le top 3 des meilleurs films du MCU. Dans ton top 3 Non, je parle simplement en termes de qualité, que ce soit visuelle ou narrative, ça reste celui qui a le moins de défauts au final de narration et de narration. Mais on reviendra plus tard, justement à ce qui fait les différences. Voilà. Donc pour dire voilà qu'ils ont commencé avec le film qui est l'un aussi des meilleurs quoi. Donc forcément ça avait tapé très 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 fort. Voilà, donc finalement une très grande réussite pour commencer, ce qui ne va pas forcément être le cas du deuxième film, en tout cas pas dans nos cœurs. Voilà. Aïe. The Incredible Hulk, donc réalisé par Louis Leterrier, notamment qui a fait Now You See Me. Le titre français c'est quoi? C'est Insaisissable. Insaisissable. Avec un casting de dingue aussi. Mais Louis Leterrier qui est donc un réalisateur français passé à l'américaine. Qui a fait aussi le choc des Titans. On l'a oublié. J'ai pas envie d'avoir cette discussion. Tu vois, j'avais oublié. Merci. J'étais content juste d'avoir pour oublié. Pour rappeler que Louis Leterrier était pas un très bon réal. C'est-à-dire qu'avant, dans Iron Man, ils avaient décidé d'engager un réal qui n'en est pas vraiment un. Bon, bah là, ils ont décidé d'engager un réal qui n'était pas très bon. Qui n'était pas très bon. Tout simplement. Et donc qui est sorti la même année qu'Iron Man, 2008, quelques mois après Iron Man, il me semble. Ouais, il est sorti après, mais je sais pas exactement. Enfin, oui, forcément, c'est la même année. C'est forcément. Je crois que les deux ont été produits en même temps. Ils ont été produits en même temps. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a Robert Downey Jr. à la fin du film, qui va voir Ross pour parler de. Enfin bref, ça c'est autre chose. le sénateur Ross, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Civil War, tout le monde l'avait oublié. il revient en 2016. 2016 avec Civil War, tout le monde a oublié que c'était le même personnage. D'ailleurs, dans les comics, je crois que c'est ce personnage-là qui joue le Red Hulk. Ouais, qui joue Red Hulk, ouais. C'est un personnage très important dans les comics. Enfin bref. Et donc, l'incroyable Hulk est assez atypique pour un film du MCU, parce que, au-delà du fait qu'il ne soit pas très très bon. non, mais atypique, pourquoi? Parce que c'est à la fois le deuxième film du MCU, donc quelque part la suite d'Iron Man, et c'est aussi la suite de The Hulk, avec Eric Bana et comment s'appelle celle qui joue toujours la femme de Russell Crowe, Jennifer Connelly. J'allais pas trouver. Hein. Il me semble que c'est Jennifer Connelly, ouais. Et Sam Neill. Non, c'est pas Sam Neill. Bref, on s'en fout. Et du coup, c'était à la fois une suite d'un film Hulk qui est sorti en 2005, si je dis pas de conneries. Et la suite d'Iron Man, donc c'était à la fois le premier Hulk du MCU, mais à la fois une suite, tu vois, parce qu'ils reviennent pas vraiment aux origines, et du coup, t'as un côté, c'est une suite, ils parlent des fois dans l'incroyable Hulk des événements de The Hulk, t'es en mode, attends, du coup, c'est une suite, c'est le premier film, du coup, tu sentais que le MCU, ils étaient pas sûrs que ça marche, du coup, c'est en mode, ok, bah, si ça marche pas, on dit que c'est Hulk 2, voilà, tu vois. Déjà, c'est compliqué, parce que tu commences un personnage, t'introduis un personnage qui, en fait, tout ce qui est intéressant, c'est-à-dire le moment où il chope ses pouvoirs, le moment où tout ça, en fait, est basculé dans le générique. C'est le générique de début. Et on n'en reparle pas. Et en fait, on arrive sur un Hulk qui est déjà, dans la maîtrise quasiment. Et voilà. Et en plus de ça, ce qui rend le film un peu atypique, en plus du fait qu'il s'inscrive un peu dans une autre saga et tout ça, c'est aussi le changement d'acteur à venir pour Hulk, mais on y reviendra. C'est que trois Hulk en trois films avec Hulk. En 10 ans, t'as trois Hulk différents. Quoi. Enfin, c'est Eric Bana, Edward Norton et Mark Ruffalo. Donc, trois acteurs qui n'ont rien à voir. Mais déjà physiquement. Quoi. Et je pense que Edward Norton n'a pas dû aider des masses sur la production de Hulk. C'était un connard. Ce qui est dit dessus, c'est qu'il il réécrivait ses répliques, il a réécrit le scénario, il cassait les couilles à tout le monde. Donc, on parlait tout à l'heure des fois, il y avait des problèmes
Ah non, c'était en antenne, excusez-moi. Donc c'est un film qui a eu énormément de problèmes de production, quoi. Donc si il est assez mauvais, voilà, on va être gentil. S'il est assez mauvais, c'est aussi parce que il a été dur à faire, quoi. C'est que sur le tournage, c'était horrible. Tim Roth, t'as l'impression qu'ils sont... Il joue bien parce que c'est Tim Roth, mais t'as l'impression qu'il s'en fout un petit peu d'être là, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est commencer aussi avec un film Hulk qui est quand même un des trucs les plus durs à faire en termes de CGI. C'était la preuve qu'il a mal vieilli, du coup. Il ressemble à rien. Ah ouais, non, ça ressemble à rien. Et puis c'est non, je dois dire, c'est celui que j'aime le moins du MCU et celui que je me suis pas rematé d'ailleurs. Le seul pareil, que je me suis pas rematé. Moi, c'est l'un des films que j'ai le plus oublié. Du coup, on va vite passer. Il y a quand même quelques scènes épiques que j'aime beaucoup. Notamment quand il y a toute l'université qui est enfumée par les gaz lacrymo et que t'as Hulk qui saute à travers la verrière et qu'il arrive là. Je sais pas moi cette scène, j'ai les frissons, tu vois. Je suis un public assez facile aussi, c'est facile de me donner des frissons, mais Moi je dois dire là pour le coup sur Hulk j'en ai vraiment pas eu des masses. Ouais, moi non plus, à part peut-être le Hulk smash. Et encore, c'est moi tout. Je trouve ça quand il casse en deux un taxi et qu'il met ses mains dedans pour se faire des gants de boxe, je suis en mode mec, mais genre ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. On dirait du Peter Jackson sans le soin apporté aux effets spéciaux, quoi. Ça c'est du Peter Jackson, honnêtement. Ouais, c'est du Peter Jackson. Et en fait je trouve que ça s'inscrit très mal dans ce voilà. Donc finalement on a deux premiers films qui ont été produits à peu près en même temps, donc ils pourraient être comparables, et on a une très grande réussite qui a pas vieilli, et une autre on sait même pas trop ce qu'elle fout là. Donc finalement on sait pas encore ce que va donner en fait cet univers étendu. On a il y a du bon, il y a du très mauvais, hein. il y a de tout. Donc là on arrive au troisième film, donc l'année d'après, troisième film, Iron Man 2. Donc toujours réalisé par John Favreau, qui a quand même pas mal divisé Iron Man 2, parce qu'il y en a qui l'ont trouvé meilleur que le 1, et d'autres... Ils doivent pas être très très nombreux. Alors, alors oui, effectivement, mais je le considère toujours meilleur que le 3, alors ça on y reviendra plus tard, on y reviendra quand on parlera du 3, parce que j'ai quand même pas mal de problèmes avec le 3. Ah, moi mais, et Iron Man 2 qui, là, commence quand même à... Kevin Feige, il commence à être confiant, en mode ok, bon, là, il y a quand même un public assez réceptif. On va mettre Nick Fury, on va lui donner un peu plus de place. On remet l'agent Coulson qui était déjà dans le 1. Et là, on installe, roulement de tambour, Scarlett Johansson. Natasha Black Widow. Romanoff. Natasha Romanoff. Je l'appelle par son petit nom. Excuse-moi. Aska. Skaka. Non, c'est pas Skaka. Tu es horrible. Donc. Et donc voilà, il commence à instaurer un petit peu des il commence à mettre plus des personnages, il commence à élargir vraiment l'univers Marvel. Et là où on voit que à l'époque les scènes post-génériques c'était pas quand même pour tout le monde, parce que il y a plein de gens qui n'ont pas compris l'arrivée de Nick Fury. Parce que là, t'as Robert Downey Jr. dans le Donuts à un moment dans le 2. Il est en train de péter un câble parce qu'il est en train de... Il est dans une phase de décès, effectivement. Mmh. Du coup, il fait sa crise de la quarantaine. Et là, t'as Nick Fury qui vient, toi, qui dit, bon, machin, descends du Donuts, s'il te plaît. Et puis, il commence à discuter comme s'il se connaissait. Et là, quand t'as pas vu la scène post-générique, t'es en mode, mais c'est qui ce Gus ? Et moi, j'étais comme ça. Ouais, il arrive, tu comme ça, genre, il parle à Robert, tranquille, au calme, ni merde, Tony, ni Tony, bonjour, Tony. Il se présente même pas. Et puis, Nick Fury commence à lui quicher la tête, en mode, mais attends, genre, on va y aller mollo sur les politesses, là, s'il te plaît, on te connaît pas, mon grand. Ouais. Donc voilà, les scènes post-génériques, à la base, fallait les regarder pour comprendre ce qui se passait, sauf que bah, les gens ne savaient pas qu'il y avait des scènes post-génériques. Ouais, bah, moi, je les avais pas vues, les scènes post-génériques, au départ, hein, parce que je savais pas du tout qu'il y avait ça. Et je sais que la scène post-générique de Iron Man 1, je l'ai vu qu'il y a quelques mois. Je l'avais jamais vu avant. Avec cette réplique, je suis Iron Man. Vous vous prenez peut-être pour le seul super-héros du monde. Je viens vous dire que vous entrez dans un univers plus grand que vous. Je viens vous parler du projet Avengers et du projet Initiative. Projet Initiative des Avengers, c'est ça. Initiative des Avengers. Et donc, c'est le premier film, en fait, Iron Man 2, qui commence à instaurer l'idée d'un univers étendu, parce qu'avant, on pouvait regarder Hulk et Iron Man complètement indépendamment. Là, déjà, le 2, bah, faut voir le 1. Mm-hmm. Et ensuite, on commence à avoir des personnages qui sortent un petit peu de... un peu du trou du cul du scénario, c'est-à-dire les scènes post-génériques. Éventuellement, là, on commence à avoir, d'ailleurs, peut-être pas encore tout de suite, mais il y a les courts-métrages qui vont arriver très vite, bientôt. Attends. Le premier, c'est The Consultant ou... Attends. Non, alors le premier court-métrage, ça rattrape la scène post-générique de Hulk, je crois. Effectivement, le premier court-métrage, donc les Marvel One-Shot,
Le premier, il est sorti entre l'incroyable Hulk et Iron Man 2, qui s'appelle le Consultant, où il commence à... il demande en fait à Robert Downey Jr., enfin du coup à Tony Stark, enfin ces deux agents du SHIELD, Coulson et Sitwell, qu'on reverra dans Thor et dans Civil Avengers, dans Civil War, et dans Le Soldat de l'Hiver. Non, pas Civil War, mais dans Le Soldat de l'Hiver. Ouais, du coup, les deux, ils discutent dans un diner et ils disent, machin, faut qu'on demande à Tony Stark de parler à Ross, machin, tout. Enfin bref. Le deuxième... court-métrage, le deuxième Marvel One-Shot, je ne me rappelle jamais de son nom. La traduction, c'est « Quelque chose de rigolo arrive sur le chemin en allant... Quelque chose de rigolo arrive sur la route du marteau de Thor. » Donc voilà, donc c'est juste l'agent Coulson qui détourne une épicerie qui se fait braquer en allant récupérer le marteau de Thor. Donc un truc qui ne sert à rien, mais c'est drôle. Parce donc que, en fait, on commence parce que l'agent Coulson, c'est quand même le temps. Meilleur des personnages de l'univers Marvel. Voilà, je le dis, c'est comme ça, c'est réglé. on commence à rentrer dans l'étape de finalement l'univers étendu. En fait, pour moi, Iron Man 2, finalement, avec tout ce qui l'entoure, commence à rentrer dans cet univers-là. Parce que dans Iron Man, effectivement, voilà, ça, là, l'univers est étendu, notamment parce que Nick Fury. Black Widow, et parce que l'agent Coulson dit qu'il a une affaire à régler au Nouveau-Mexique, et scène post-générique, il est au Nouveau-Mexique et il tombe sur le marteau de Thor. Et donc le film d'après Iron Man 2, c'est ouais. Thor, alors, quatrième film du MCU. Pour juste terminer avec Iron Man 2, il y a eu évidemment beaucoup de clivages autour de ce film, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui souffre quand même d'être un film pivot, en fait, qui installe un petit peu trop de nouveaux personnages, trop de nouvelles intrigues, trop d'univers étendu, en fait, qui aurait peut-être mérité d'attendre Avengers, en tout cas à mon goût. Mais c'est une bonne idée, mais je trouve que l'intrigue principale et son méchant, qui n'est pas le mieux écrit du MCU, en pâtissent. Et donc c'est à Mickey Rourke. Les enjeux. Oui, non, mais puis il y a Sam Rockwell aussi, c'est de super acteurs, mais bon, leurs méchants sont un petit peu. Font pas très. Ah non, mais quand même, la scène à Monaco avec le fouet quand il coupe les Formule 1 en deux. Ah, mais il y a des très bonnes scènes. Son armure mallette, ça reste mon armure préférée, honnêtement. Ouais, elle est super belle. Le film a des très très. Bon passage, mais c'est juste qu'il est quand même, il souffre d'être un peu plus décousu que le 1, évidemment, qui a un espèce de bloc de sprint qui marche super bien en son sein. Et là, c'est vrai qu'on commence à se dire, bon, bah, il va peut-être falloir le suivre quand même au sein de la saga, parce que le 2, voilà, si on ne suit pas la saga, il y a déjà beaucoup plus de choses qui nous perdent un petit peu et qui vont laisser des petits détails qu'on ne peut pas le regarder pareil qu'on regarde un Iron Man 1 ou même un premier film d'un personnage. Effectivement, oui. Mais je trouve que c'était une bonne idée d'installer le personnage à cet endroit-là, parce que je trouve que ça a été bien fait. Notamment, à part Nick Fury, où tu te demandes un peu d'où il sort, mais Natasha Romanoff, je sais pas, j'aime bien qu'elle arrive là, parce ouais, que moi aussi, ouais. Si tu sais pas, si t'es pas un fan de comics et tout, comme j'étais à l'époque, je lisais pas du tout de comics, et j'ai mis longtemps à m'y mettre d'ailleurs, mais moi je savais pas du tout qui était Black Widow, et t'as pas besoin de le savoir, quoi. Le personnage est bien installé, je trouve, surtout de Black Widow. Bah, on remarque que c'est important, parce que c'est un personnage très important par la suite, donc je trouve qu'ils l'ont bien installé. Non mais c'est vrai, c'est bien fait, mais il y a beaucoup de choses. Et le film est peut-être pas assez long par rapport à tout ce qu'il essaye de raconter. C'est vrai qu'à un moment donné, bon, il est en train de mourir, et puis tac, il découvre, il crée un élément, voilà, toc, et puis il est sauvé. Voilà, tout le monde ce genre de typiquement ce genre des mondes. De. Bah, après, voilà, ce genre de pirouette un peu très très comics, mais finalement qui détonne avec le côté très réaliste qu'avait installé les premiers. Donc, là où Jon Favreau a servi Iron Man 1, il a un peu desservi Iron Man 2. C'est que là, tu sens que Jon Favreau, c'est pas non plus un super réa, quoi. Voilà. Il galère un peu des fois en termes de le 1 était vraiment une belle victoire, et le 2 détonne un petit peu, il est un peu moins bien, mais ça reste. Mais quand il était quand même. Il n'a pas été perçu du tout comme une déception, c'est devenu une déception après. Ouais. C'est que sur le moment, les gens, le Iron Man 2, il est sorti, tout le monde était grave content, ouais, putain, c'est nickel, ça se poursuit bien et tout. Le personnage de Tony Stark, il continue à évoluer, il régresse un petit peu, mais tu vois, il régresse toujours. Iron Man, ça fait partie des personnages qui évoluent, qui régressent constamment. Ouais. Et ça le rend très humain, je trouve. Donc, deuxième film, bon film, qui n'a pas le panache du premier, et on arrive du coup au film d'après, le film Thor. Donc, numéro 4, Thor, réalisé par Kenneth Branagh. Va savoir pourquoi Kenneth Branagh s'est retrouvé à la réalisation de Thor. Je sais pas, pour moi, je Kenneth Branagh, trouve ça génial. C'était Gilderoy Lockhart qui faisait du Shakespeare, tu vois, genre, enfin, parce que. Bah, pour ça, moi, hein. non, mais Kenneth Branagh, c'est Gilderoy Lockhart, et c'est un comédien anglais très connu, mais c'était pas. Ou en tout cas, avant d'être un russe dans Tenet. Avant d'être un russe dans Tenet que j'ai pas reconnu, tu vois, que j'ai reconnu
pendant le générique, en mode ah, Kenneth Branagh, ah d'accord, il était dans le film, d'accord, très bien. Ah bah c'est le méchant, oui, j'avais pas reconnu. Voilà, désolé, mais avant tout ça, enfin, c'était cet anglais. Ouais, mais surtout que Kenneth Branagh était pas connu en tant que réal à l'époque. Et il est toujours pas reconnu en tant que réal. Ah, il avait déjà fait il est reconnu en tant qu'acteur, mais il est surtout fait des adaptations de Shakespeare pas mal. Mais... Oui, mais ça reste un truc assez fermé. Tu vois, mais c'est pas des trucs internationaux. Tu vois, c'est pas un film Thor, quoi. À quel moment tu confies Thor un film à gros budget comme ça ? C'est drôle parce qu'en fait, il voulait en faire quelque chose de shakespearien. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez réussi. Ah oui, totalement. Dire, ouais. Bah, il est très théâtral, tout simplement. Déjà, même sans parler de Shakespeare, il est très théâtral. C'est ce décor très épuré, très propre. Ça, c'est quelque chose. Après, moi, je parlais plutôt en termes de scénario, l'aspect tout simplement orienté autour de la déception du père et de l'exil et tout ça. Enfin, c'est très. Voilà, on est très sur des scénarios shakespeariens, justement. Mmh. Oui, ce roi banni. Voilà. Qui doit retrouver finalement le mérite, la légitimité, en fait. Mmh. En passant par une certaine humilité. Le scénario de. Alors, moi, je dois dire Thor 2 sur le coup. Alors, Thor 1. Non, Thor 1. La première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu hors MCU et je me souviens d'avoir dit c'est quoi cette daube ? Parce que je m'étais dit, j'arrivais pas à intégrer le truc. Et donc j'appréhendais un peu, la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis dit ouais, mais moi, on me file des super-héros qui ont des armures, des mecs qui tissent des toiles, bon, ça me va, mais tu me rajoutes des dieux et je te dis, mais du coup, je m'en fous du mec en armure si t'as un dieu. Et en fait, voilà. le fait est que j'ai beaucoup mieux apprécié la deuxième fois parce que j'ai trouvé que. Ils expliquaient assez bien le fait que c'est pas des dieux en fait. C'est des extraterrestres. C'est juste que Anthony Hopkins, il le dit. Ils ont pris pour des dieux. Oui. Putain, à chaque fois qu'on en parle, je suis toujours ébahi par le casting, tu vois. Tiens, genre, il y a Anthony Hopkins là-dedans. C'est quoi le projet là, les gars Non, très bon casting. Et Nathalie Portman aussi, Alexander Skarsgård. Oh putain, Alexander Skarsgård. Le seul problème vraiment de ce film, c'est les sourcils blonds de Kristen Swartz. Ouais. Mais j'allais le dire. Mais du coup, un film où ils expliquent, Anthony Hopkins explique assez bien le fait que, bah non, en fait, on est des extraterrestres, c'est juste qu'on on vit 3000 ans, quoi. Mais on est des extraterrestres, on a des pouvoirs que les humains n'ont pas. Mais c'est débile, là, ils nous ont pris pour des dieux, du coup, bah, on en a un peu profité. Après, on ne leur en veut pas, on aurait fait pareil, je pense. Mais oui, Non, il y a que moi. Il y a de ça. Il y a que moi que ça le fait, non ? Je suis d'accord. Alors après, c'est vrai que je trouve que ce qui sauve vraiment Thor, c'est deux choses. Déjà, le parti pris de faire cet univers très épuré, très futuriste, qui, contre toute attente, a plutôt bien vieilli. Parce que c'est vrai que quand on voit l'univers, on pense un petit peu à la prélogie de Star Wars. Il a bien vieilli parce qu'il est propre. Ouais. Mais en fait, il est très propre. Mais ça marche bien. Mais c'est assez rebutant. Moi, ça me rebute pas mal. J'ai mis beaucoup de temps à aimer ce film parce que, scénaristiquement, il va pas loin. Visuellement, il est tellement sobre que j'avais pas ressenti grand chose, à part dans les scènes épiques évidemment, mais. Bah justement, c'est paradoxal. Les premières fois, il m'en était pas resté grand chose. Les scènes qui me marquent le plus, moi, c'est les scènes où ils sont assis sur le toit du diner. C'est le fait, en fait, de faire l'extraterrestre qui se pointe, mais au Nouveau-Mexique, dans un putain de bled paumé, complètement. Et de pas du tout avoir ce côté épique à la New York, justement, comme on peut avoir dans Avengers. Mais juste, ils se pointent au milieu de la cambrousse. Bah ouais, parce que ça arrive aussi, les mecs, des fois. Et je trouve que cette partie-là, dans la cambrousse, ce côté un peu paumé avec ses chercheurs, et puis lui qui est là en train de s'adapter dans une espèce de petit village qui est finalement pas du tout représentatif de la métropole, enfin de la puissance terrienne, on va dire. C'est, je trouve que finalement, avec du recul, au troisième visionnage, j'ai vraiment commencé à l'apprécier très fortement, en fait, ce film. Je commence à le trouver assez uni, en fait, assez cohérent en son sein, même s'il souffre de certaines erreurs qui vont vite être corrigées, je trouve, sur le personnage de Thor, notamment. Mais après, il a aussi de très belles scènes, notamment la scène où il essaye de récupérer le marteau avec la pluie, il n'arrive pas. Et là, Jean Coulson qui est là au Toki en mode attends, on le laisse faire pour voir ce qui se passe, et qui se chie, qui se fait maraver la gueule avec Jeremy Renner qui est là, qui attend d'avoir un rôle, en fait. T'es un peu en mode ok, je tire pas, je tire pas, je ne sers à rien dans ce film, voilà. Je suis là juste pour préparer l'arrivée de mon personnage dans Avengers. Mais cette scène, il y a des passages qui sont très humains, ils sont très beaux, notamment quand ils se bourrent la gueule avec le père Skarsgård. C'est génial cette scène. J'aime beaucoup. Je trouve que juste Thor souffre à ce moment-là d'un syndrome du Boy Scout de manque de personnalité qui se corrigera très vite dans Avengers. Oui. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il a un espèce de. Il n'est pas humain, donc j'allais dire qu'il est déshumanisé. C'est assez logique en soi. Mais du coup, ça fait que c'est un des personnages pour lesquels je me suis attaché le moins vite au sein d'un film. Parce que tu t'attaches à Natalie Portman, tu t'attaches à Skarsgård, tu t'attaches énormément à Loki, je trouve. Oui. Un peu Anthony Hopkins aussi, bon, on le voit pas longtemps, ouais, mais tu t'attaches quand même. À Nathalie Portman, et puis comment il s'appelle là, le... Selvig, ouais. Ouais, Skarsgård, l'acteur. C'est Skarsgård, d'accord. C'est le père Skarsgård, ouais. Ok. Oui, je l'appelle père Skarsgård parce que tous ses enfants, il a quatre gamins qui font tous du cinéma, du coup, je me rappelle jamais de.
Je me rappelle jamais du nom de touche en mode okay. Attends, c'est le deuxième fils Skarsgård. Attends, c'est Gustav, c'est Alexander, c'est. Je sais plus comment il s'appelle l'autre en plus. Enfin, je m'y perds dans les noms. Ouais, mais je trouve que c'est ça, on s'attache un peu à tous les personnages sauf à Thor dans ce film. Et on s'y attache trop tardivement. Donc, petite erreur de script pour moi. Mais c'est peut-être voulu, hein, et c'est peut-être une idée justement bah, pour montrer le côté que non humain. Mais... Pour un public, c'est, pour un spectateur, c'est dommage. Mais au sein du scénario, c'est cohérent. Mais au sein du scénario, c'est très, très cohérent. Quoi. Mm. Tu t'attaches à lui quasiment que à la fin, parce que bah, même temps, c'est à la fin qu'il devient digne. Bah, tu t'attaches à lui quand il devient digne. Au début, tu l'aimes pas, c'est un enculé, il est arrogant. T'es en mode, bon, je vais te. Voilà, hein. C'est un film qui est un peu l'histoire. Montrez-nous Nathalie Portman. C'est un film qu'on l'aime pas là. C'est un film qui est un peu l'histoire d'une rédemption, et c'est là que on commence à voir pour moi un des petits soucis, mais dont on reviendra encore une fois dessus. Mais c'est le schéma répétitif du MCU qui est vu ou comme un souci ou comme une qualité. Hein. Mais on a déjà deux premiers films qui abordent leur personnage comme un personnage plein de défauts qui va apprendre avec son pouvoir la rédemption, l'humilité et l'aide aux autres, et finalement l'ouverture. C'est-à-dire que par rapport à Iron Man 1, on est un petit peu, on est assez proche du schéma narratif du personnage qui, voilà. Et on se dit, mais oui, mais maintenant que les mecs sont tous parfaits, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Et en fait, on va bien voir. Et là arrive à la fin avant le cinquième film, à la fin de scène post-générique de Thor, qui est la moins connue de par ailleurs. C'est une. Je me souviens même plus laquelle c'est. Nick Fury. Non, tu vois Nick Fury qu'à la fin. T'as Eric Selvig qui se balade dans un couloir, oui. Dans un souterrain. Oui, je m'en souviens. Et il y a Nick Fury qui le rencontre, qui montre le Tesseract à Eric Selvig et qui lui demande de bosser dessus, machin. Ça introduit le fait qu'il y aura Selvig dans Avengers d'ailleurs. Mmh. Et là, t'as Loki qui, spoiler, n'est pas mort en fait, parce que bon, on te dit qu'il est mort à la fin du film, générique, post-générique. En fait, il est pas mort. Ok, d'accord, bon. Super voilà. De placer ça comme ça. Et. Tu sens quand même une intrigue d'Avengers qui arrive quand même, parce que il y a Loki donc, qui est là, invisible derrière Selvig, et qui dit un truc, je sais plus ce qu'il dit, et t'as Selvig qui répète la même chose. Donc là, t'as une intrigue, t'as un élément qu'on retrouvera dans Avengers, c'est le fait que Selvig va se faire manipuler, contrôler même par Loki. Donc ça t'annonce déjà l'antagoniste de Avengers. Donc déjà ouais, dans Thor, dans la scène post-générique, on t'annonce l'antagoniste du film, du sixième film. On est déjà au quatrième. Mm-hmm. Là. Donc ensuite, cinquième, donc 2011, réalisé par... Aïe. C'est l'échec du joueur français. Ah là là, il fallait bien qu'il... Oui. Parce que c'est un réalisateur dont j'ai pas vu de film, en fait, que je ne connais pas de nom. C'est un réalisateur qui m'a pas du tout marqué. Quand je vais le retrouver, je vais être en mode oui, évidemment. Je suis con. Oui, c'est Steven Spielberg. Joe Johnston, oui. Tout le monde s'en fout de Joe Johnston. Désolé, mon grand, mais on ne sait pas qui tu es. Mais par contre, beau boulot. Voilà. Ouais. En plus, c'est. Ah, pardon. Oui. Voilà. Parce que je te. Oui, bah, attends, tu peux être plus clair. Hein. Si on parle pas. On se fait des signes pour se changer les trucs sur la table. Ça marche moyen quand même. Donc, à part Joe Johnston, là, il y a l'arrivée de Alan Silvestri à la BO, qu'on retrouvera. Ah oui, c'est vrai qu'il n'arrivait pas avant Silvestri, il arrive avec Captain America. D'accord. Si je dis pas de conneries, attends, on vérifie quand même. Écoute, on va partir du principe que même si... Bah, elle est oubliable, sa BO, de toute façon. C'est sympa. Désolé. Et on a introduit Alan Silvestri une BO oubliable. Voilà, je ne fais pas de musique, heureusement. Non mais c'est vrai que je dois dire que je pourrais jamais te chanter le thème de Captain America. Là. Bah c'est très musique hymne américain, tu vois, c'est un truc qui touche pas forcément trop à l'international. Mais alors du coup le film, pour en revenir au film, oui. Captain America, vous en avez pensé quoi? Grosse déception, je l'ai trouvé très mauvais avec un Hugo Weaving que j'ai trouvé, je sais pas, il me revient pas Weaving dans ce film, donc le personnage de Red Skull. Captain America, au début, je sais pas, je l'aime pas, quoi. J'adore Chris Evans, pourtant, hein, l'acteur, mais le film, il m'a pas touché. Tu vois, même Tommy Lee Jones, je sais pas, je l'aime pas dans ce film, tu vois. J'avais oublié qu'il y avait... Putain, mais le casting du MCU... Ouais, il y a même Ruzard au début. Il y a Ruzard au début. Quand Red Skull, il récupère le Tesseract dans la tombe, dans une abbaye perdue au fin fond de la Norvège. D'ailleurs, dans...
D'ailleurs, c'est dans ce village-là que New Asgard sera construite dans Avengers Endgame. Ah, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, bon, personne ne le sait, tout le monde s'en fout, remarque. Ça fait partie des petits easter eggs comme ça, qui sont rigolos. Mm-hmm. Mais donc, il récupère Ruzar. C'est Ruzar qui garde le Tesseract au début de Captain America. The First Avenger. Okay. Mais ce film, je sais pas, j'ai mis quand même 4-5 visionnages, voire plus, pour commencer à l'aimer, ce film. En fait, moi, je suis assez partagé sur ce film parce que j'ai. À la fois, c'est un de ceux que j'ai le moins envie de revoir à chaque fois. Visuellement, je l'aime pas. Visuellement, je trouve pas beau. Je trouve l'étalonnage très sombre. Mais ça, c'est pas une question. Non, c'est même pas l'étalot, tu vois. Genre, c'est. Les chars, ils sont trop gros, je sais pas. Les armes, elles sont pas belles. Esthétiquement, je trouve moche. Je suis assez d'accord. Par contre, je trouve qu'il y a un truc, une très grande réussite de ce film, c'est le fait d'introduire Captain America justement avec ce saut dans le temps pour pouvoir le ramener à la période de guerre. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'au départ, ils veuillent en faire, même si c'est un peu cheaté parce qu'ils sont là. J'ai pas besoin d'un héros, j'ai besoin d'une armée de héros. Donc, comme t'es tout seul, toi, tu vas faire de la pub. T'es là, oui, mais enfin, prends quand même un bon soldat, c'est quand même con, tu vois. Très bonne idée, ça. C'est-à-dire que c'est introduit de manière pétée, mais par contre, l'idée est géniale de le faire d'abord faire de la propagande, littéralement, parce que c'est vrai que c'est le héros de propagande par excellence, Captain America. Rien que dans le nom, on est sur ce qu'étaient les comics à l'époque, c'est-à-dire vraiment de la propagande. Mm. Et je trouve ça très bien d'avoir réussi à le ramener vers ça, finalement, vers quelque chose qui. De revenir à l'origine de la création du personnage. Il y a une vraie mise en abîme, en fait, à ce niveau-là, justement, du personnage qui incarne, en fait, ce qu'il incarnait aux yeux du public à l'époque. Donc, ça, c'est très, très bien tourné. Mais c'est une des seules vraies bonnes idées du film. Parce que je trouve. Vrai que Red Skull, maintenant que je connais un peu le personnage en dehors. Je le trouve sous-exploité complètement, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est un potentiel énorme. Et c'est sûr, quand tu lis Wolverine, Old Man Logan, c'est sûr, Red Skull, t'es en oui, mode. Voilà, mais, c'est ça. Mais faites-en quelque chose de ce personnage. Pour ceux qui ne savent pas, dans Old Man Logan, Red Skull, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Ça, je l'ai lu aussi. Ouais, mais... non, Soren, je crois que tu l'as pas lu. Non, je l'ai pas lu. Ah, tu pourras le lire. Ouais. Excellent. Bon, après, il y a un Venom T-Rex aussi dans le Man Logan, ça. Voilà. Je dis ça comme ça. Il y a Venom T-Rex. Puis il y a Daredevil et The Punisher, gros spoil, qui se font bouffer par des vélociraptors. Voilà. Cool. Dans une arène de gladiateurs. C'est génial. Lire, du coup. Voilà. Mais ce que je voulais dire. Ouais, excuse-moi. Vas-y, rebondis. C'est sur l'origine, en fait, de la création du personnage. Alors, c'est un personnage de propagande, mais il n'a pas été créé comme ça. Voilà, si on revient vraiment aux origines, c'est pas Stan Lee et Jack Kirby qui se sont dit « Tiens, on va faire de la propagande américaine ». Non, c'est que le personnage est devenu un symbole de propagande après. Surtout pendant la guerre froide, au début, c'était contre les Allemands, dans les années début 50. Je sais plus quand est-ce qu'il a été créé, mais en tout cas, au début, c'était Captain America contre Hitler. Et après, c'est devenu aussi... pour que le public aussi s'intéresse aussi à ce qui se passe. Voilà, ça nous touche, c'est d'actualité. Donc après, les méchants sont devenus les méchants, quoi, les soviétiques. C'est vrai que RSS est toujours l'ennemi public numéro un partout dans le monde. Bah pour moi, c'est vrai que Captain America souffre d'un... Captain America se souffre quand même d'une bonne et d'une mauvaise idée, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est le personnage qui est dès le départ Boy Scout, donc ce qui est bien, c'est qu'on sort un petit peu de ces archétypes de personnages qui ont une rédemption, parce que lui, il est dès le départ bon, et c'est ça qui en fait un petit peu le premier Avengers. Et le problème, c'est que du coup, ils ont essayé de le ramener à son image donc de mec parfait, et à la fois, c'est une bonne idée, parce que c'est un peu nouveau par rapport à ce que faisait le MCU, et que ça donne un petit peu plus d'ampleur aux différents personnages, et que surtout ça permet de le ramener dans un contexte historique et tout. Et en même temps, à côté de ça, on a des nazis qui ont des lasers, on a un boy scout qui a pas des masses d'émotions, qui s'en fout un petit peu de ce qui peut arriver parce qu'il se donne à fond. Et au final, une attache qui en est un petit peu desservie, parce que voilà, nos méchants sont un petit peu ridicules et notre gentil, il est un petit peu trop gentil. Donc finalement, peu de profondeur pour finalement être parti sur une bonne idée de départ, c'est-à-dire une belle mise en abîme, mais qui a nuit en fait à l'écriture du personnage et des personnages en règle générale. Mais après, il y a quand même il y a vraiment de très bonnes choses aussi scénaristiquement en termes de dialogue. Je pense surtout au dialogue qu'il y a entre Chris Evans et Stanley Tucci, je ne me rappelle plus du nom du personnage. Celui qui crée la formule de base. Oui. Je ne me rappelle plus de son nom à lui. Ils en parlent souvent en plus, la formule de machin. Enfin bref. Il y a de très bonnes répliques sur la valeur de la force. Oui. Tu vois, quand ils parlent en mode, mais on ne va pas donner de la force à quelqu'un qui est déjà fort. Parce que
ça, bah, du coup, lui, il connaît déjà le pouvoir, donc il va en abuser. Donc on donne du pouvoir à quelqu'un qui connaît sa véritable valeur. Quelqu'un qui n'en a pas, on lui en donne, et là, il sait ce que c'est de ne pas en avoir, donc il se bat. Donc il est foncièrement bon, quelqu'un qui est déjà bon, en fait, même sans force, qui se bat sans force. Quelqu'un qui perd, mais qui continue de se battre. Et donc, ça donne lieu à de très, très beaux dialogues et une très belle morale aussi, en fait. Ouais, bah c'est ça. Mais... C'est qu'il y a une belle morale, il y a de beaux dialogues. Mais c'est vrai qu'on est dans un film à part qui. La morale avec. Il chope la meuf à la fin. Ça m'a saoulé. En mode, ok, genre, elle s'intéressait pas à lui quand il était tous mes grichons. Et puis dès qu'il devient ultra beau gosse. Justement, si, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, il y a mais... un petit attachement. Mais tu te dis, ouais, tu sais qu'ils vont pas se pécho avant qu'il devienne ultra musclé. Et ça me dérange un peu. Parce que bah, je ressens plus à Captain America avant qu'il devienne fort qu'après. Oui, voilà, je ressens plus à Captain America au début du film, tu vois, pas à la fin, c'est sûr. Hein. Non, mais on va pas se mentir. Voilà, en tout cas, c'est un film qui est assez bon quand même dans l'ensemble. Il souffre d'assez peu de défauts, ouais. C'est juste qu'il est assez oubliable au final. Ouais, bah c'est ça. Moi, en fait. Ouais, c'est qu'on aime ou on n'aime pas, mais il a pas énormément de défauts. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, parce que justement, quand je l'avais vu. Il passe un peu comme ça, quoi. Bah, c'est sympa pour introduire un personnage. Le personnage qui est, je pense, mieux exploité par la suite. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est assez oubliable. Il souffre un petit peu du même truc que Thor, en fait, dans cet aspect. On est dans quelque chose de tellement nouveau. C'est-à-dire qu'Iron Man s'inscrit dans notre période, avec un personnage qui est un espèce de anti-héros au début, avec une rédemption et tout. Et là, finalement, on souffre un peu du manque d'attachement. On est là, ouais, mais en fait, je peux pas m'identifier à un mec qui est aussi... Enfin, qui a un destin aussi atypique, qui s'est pas fait par lui-même. En plus, comme il ne s'est pas fait par lui-même, parce qu'il a accepté tout ça, c'est finalement il subit l'action plus qu'il ne la déclenche. Et au final, ça fait un peu un manque d'attachement qui fait que c'est un des personnages un peu comme Thor qui sera mieux développé dans la suite, en fait. Ouais. Vraiment du récit. Ouais, bah, je suis d'accord pour le coup. C'est et donc on va scène post générique. Pardon, désolé quand je m'emballe. C'est pas grave. Et bah du coup, veux-tu introduire le prochain film ? Donc, on a le sixième et dernier film de la première phase du MCU est introduit avec la scène post-générique de Captain America The First Avenger, où t'as Chris Evans, donc Captain America, qui tape, donc à notre époque, hein, en 2011-2012, qui tape sur les Punching Ball, et puis il y a Nick Fury qui vient le voir et qui lui parle du Tesseract. Et contrairement aux autres scènes post-génériques, ça c'est une scène post-générique qu'on retrouve dans le film d'après. Qui est reprise telle quelle. Ils ont pas refait le tournage, ils ont vraiment. On l'a déjà tourné, tac, hop, on met ça ici. Ce qui est d'ailleurs un bon choix. Certains parlent de paresse, moi je leur dis. Merde. En général, c'est pas gentil d'être méchant, hein, pour citer Dewey et l'homme pâle. Voilà, comme ça. Moi. Les citations. Donc, sixième film et dernier de la phase de la première phase du MCU, Marvel The Avengers. Titre original, c'est Marvel The Avengers. Hein, voilà. Ce film m'a fait péter un boulon quand il est sorti. Voilà, 2012, il a niqué le box-office. Et là, les gens étaient en mode ouais. Ouais, parce que moi à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais pas du tout qu'il y avait j'avais pas compris qu'il y avait cette corrélation entre tout le monde, tu vois, parce que j'avais pas vu les scènes post-génériques. Je me disais, oh, c'est bizarre, il y a des personnages qui reviennent dans des films, je suis là, je l'ai déjà vu quelque part celui-là, mais j'avais pas vraiment compris. Mêmes ah, c'est ça, mais le fait qu'après, dans un seul et même film, ils réunissent tout le monde, j'étais comme un dingue, je me disais, putain, mais c'est incroyable en fait. Ah ouais, quand il a été annoncé, les gens étaient fous, autant les fans de comics que les fans de films que les gens qui s'en battaient les couilles. Totalement. Même ceux qui s'en battaient les couilles étaient ultra hypés quand même. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un film qui avait tout pour réussir et qui a tout réussi. Ah bah totalement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est très très. Alors je dirais le contraire, c'est qu'il avait tout pour échouer, il a tout réussi. Non, mais il avait tout pour réussir dans le sens où il avait tout pour, dans tous les cas, être un succès. Au box-office, t'entends ? Oui. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que le film aurait sans doute été rentable avec la hype qui avait été dressée avec quand même 4 films avant, 5 films avant, de plus ou moins de... Ouais, de, c'est pas... Tout a tellement été instauré qu'on attend vraiment qu'une chose, c'est de les voir se rassembler, donc forcément, ça allait avoir du succès. Mais ce qui est génial, c'est que cinématographiquement, il est réussi, et c'est même, je pense, cinématographiquement, un des meilleurs films du MCU, si ce n'est le meilleur. Mm-hmm. Oui, ça je suis d'accord. Iron Man et Avengers, tu vois, je sais jamais lequel placer en premier pour dire le meilleur du MCU. Est-ce que c'est Iron Man, est-ce que c'est Avengers ? Non, je sais pas. Moi, c'est Avengers de très loin, et je dois dire que Avengers est mon film préféré du MCU. Ça c'est certain. Pour une simple bonne raison, c'est qu'il arrive parfaitement à introduire tous ces personnages que ça c'est quelque chose qui est assez dur parce qu'ils ont été pré-introduits, mais il faut quand même les remettre avant qu'ils se rassemblent direct, les remettre individuellement dans leur cas. Et la scène d'intro, pas d'intro, mais la scène de début est extraordinaire dans le fait qu'elle passe de personnage en personnage avec des transitions fluides dans le dialogue pour arriver à la préparation du fait que où est-ce qu'ils en sont maintenant, tous les cinq, et comment est-ce qu'ils vont, enfin tous les quatre, mais tous les six en fait, bon, comment ils vont être introduits.
et on arrive à, avec à chaque petite étape, enfin même on réintroduit Natasha Romanoff avec une scène absolument géniale pour montrer à quel point elle est puissante. C'est que Vous rigolez là, je suis en train de bosser. Voilà, c'est ça. Elle est en train de se faire taper dessus, alors en mode arrêtez là, je suis en train de travailler, les gars. Mais attends, il avoue tout. Incroyable. Ce débile est en train de tout lâcher. Cette scène, elle me fume. Ah, ouais, et puis voilà, et puis elle massacre trois personnes en étant attachée à une chaise. Avec la chaise. Avec la chaise. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'ils sont forts. Donc franchement, voilà, une très 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 belle introduction des personnages et après derrière un rassemblement qui marche super bien. Totalement. Et c'est vrai que c'est drôle, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé, mais parce que tout simplement j'avais pas vu les films d'avant et que du coup ça allait un peu vite. Surtout qu'ils mettent en place, je trouve, une relation entre chaque personnage qui est unique tout à chacun. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a la relation Iron Man, Captain America qui est quand même assez. T'as les prémices de Civil War qui sont déjà là. Les prémices de Civil War, ils sont là dans beaucoup beaucoup de films. Et je trouve ça très intéressant, moi, le fait qu'ils établissent des relations déjà entre tous les personnages et que ça marche bien, que ce soit pas un truc tombé un cheveu sur la soupe. Moi, je sais que j'adore la relation Banner, donc Hulk, et Iron Man. Ah oui. Parce que finalement, c'est la première fois qu'Iron Man rencontre quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Mm-hmm. En fait, et enfin, quelqu'un avec qui communiquer. Quand il rencontre, il lui dit enfin quelqu'un avec qui communiquer. Donc là, ça en dit long, quoi. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que oui, en fait, il y a une très grande cohérence à se dire qu'on réunit les plus grands génies, les plus grands cerveaux de la planète. Bah, forcément, ils vont prendre leurs pieds. Et je trouve ça excellent parce que en plus là où c'est très bien fait, c'est que Banner c'est quelqu'un de très discret, de très humble, tout l'opposé de Captain America, donc il s'admire tout en n'étant pas pareil, quoi. Enfin, et c'est très 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 malin, très très bien construit. Et le premier Avengers c'est vraiment est vraiment excellent. La bataille de fin a posé des bases de l'action, du plan séquence dans l'action et tout ça qui sont aujourd'hui encore mythiques. Ouais. Alors je dois dire, voilà, je suis assez peu objectif là-dessus, ou justement peut-être que je le suis, mais en tout cas c'est très très bien. C'est mon film préféré. Avengers, je pourrais en parler pendant des heures, mais on en est déjà à 50 minutes d'émission et on a terminé la phase 1. Voilà. Ouais, mais après, voilà, non, mais aussi le casting, t'as que des têtes d'affiche, tu vois. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, très bon Scarlett choix Johnson, d'ailleurs d'avoir pris Jeremy Renner, Samuel Lee Jackson. Ouais, Tom Hiddleston, pour la petite histoire, t'as Skarsgård aussi qui revient. Le casting est ouf, donc forcément avec des têtes d'affiche, financièrement ça allait être un succès. Pour la petite histoire, c'est Robert Downey Jr. qui a proposé à Mark Ruffalo de jouer Hulk et lui il se sentait pas de le faire. Merci Robert. Celle-là elle est pour toi. Il se sentait pas, et puis Robert Downey Jr. parce qu'ils étaient assez amis depuis Zodiac et il fait. Oui c'est vrai. En 2005 il me semble. Voilà, et donc il lui dit mais si viens vas-y, je te jure tu vas être à la hauteur, tu vas y arriver. On va s'éclater, ça va être génial comme aventure. Et en fait, il a fait venir Mark Ruffalo, qui au départ était vraiment pas chaud pour incarner Hulk. Et quel bon choix pourtant, parce que c'est vraiment. Parce que Edward Norton s'était fait jarter, parce qu'il s'était mal comporté sur l'incroyable Hulk. Et je trouve qu'en plus, le visage de Mark Ruffalo, alors c'est purement personnel, mais en termes de CGI dans le visage de Hulk, est très, 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 très bien. Très, 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 réussi. Très bien. Parce qu'il y a à la fois la violence et l'attachement. Donc, c'est... Parce que ça soit Eric Bana ou Edward Norton, quand il se transforme en Hulk. Bah, c'est Hulk, c'est pas Edward Norton en Hulk. Ouais. Tu vois, à chaque fois, Hulk a pas le même visage. Dans l'incroyable Hulk, il a pas le visage de Norton. Mm. Alors que là, Hulk, bah oui, bah c'est Mark Ruffalo, quoi. Ouais, et ça marche, et ça fonctionne. Et ça, c'est quel bon choix. Du coup, ça donne de très belles émotions au personnage de Hulk, qui est une grosse brutasse, quoi. Et là, du coup, grosse brutasse, tu l'aimes, quoi. T'as envie de lui faire des câlins à Hulk. Qui, la grosse brutasse? Alors que dans l'incroyable Hulk, t'as pas envie de lui faire des câlins. Tu voulais dire un truc, Soren? Ouais, c'est aussi dû à la technologie, je pense, parce qu'avec Avengers, déjà, je pense qu'ils avaient un budget assez colossal. Ah oui, quand même. Contrairement à l'incroyable Hulk. Donc, je pense que c'est aussi au niveau de la technologie que ça a aussi grimpé ces années-là. Ouais, puis ça progresse. Ça progresse de ouf. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire un visage très attachant aussi, tu vois. Genre, je pense que dans l'incroyable Hulk, ils n'avaient pas la technologie pour faire un visage qui soit à la fois tendre. Enfin, c'est quand même assez dur de faire ce genre de truc chez un monstre, tu vois. En tout cas, ça fait partie des trucs qui ont été mis en avant dans la com, notamment. Mm-hmm. Je lisais pas mal j'étais abonné à pas mal de revues ciné de blockbuster. Et ça fait partie des trucs qui étaient mis très très en avant dans la com, en mode regardez Hulk, visuellement ce qu'on a réussi à faire. Ouais. Donc ça a fait venir aussi du public, quoi. Le fait que la technologie avait évolué, ça a servi le public, quoi. Ah, on demande au public. Alors parce que en fait, on a Pierre Degorge avec nous, donc nouveau membre Fils de Plume. Tiens, vas-y, je t'installe un petit micro. Qui n'est pas dans l'émission parce qu'il n'a pas vu l'ensemble du MCU, mais qui a vu Avengers. Donc on va avoir un petit avis de quelqu'un qui n'a pas l'ensemble des clés, mais pour savoir quelle est son appréciation du film, ça peut être intéressant. Je pense que...
Ouais, du coup, j'ai pas écouté ce que tu disais parce qu'il y a Yohannis qui me parlait. Mais du coup, Avengers, c'est un des rares films du MCU que j'ai vu. Parce qu'en fait, en soi, bah, les films du MCU que j'ai vu, ça se limite à. Alors, j'ai vu quoi ? J'ai vu trois films Avengers. Un hérétique. Pas tous. Un hérétique, mesdames et messieurs. J'ai vu que le deuxième Spider-Man. J'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Et je crois que c'est à peu près tout. Si j'ai vu le premier Captain non, America peut, aussi. On peut pas parler avec des gens comme ça. Non, mais voilà, c'est pour ça. Si, justement, ça peut être intéressant. Je suis extrêmement. Soit tu vois tout, quoi. Je suis extrêmement extérieur au MCU, contrairement à vous trois. Bah, déjà aussi, parce que c'est pas. Un cinéma qui m'intéresse énormément, mais c'est ça, c'est une question de goût, tu vois. Il n'empêche que je reconnais que Avengers est un film, déjà un excellent film de super-héros, et au-delà de ça, un excellent film tout court. Genre, je trouve que déjà, on est obligé de reconnaître, mais du coup, j'avais pas vu que tu m'avais branché des écouteurs. Moi-même, qui suis pas ultra fan du MCU, je suis obligé de reconnaître que ça a été une révolution. Au cinéma de divertissement, au cinéma en général, et que oui, tu regardes les films de super-héros pré-Avengers et post-Avengers, tu sens qu'il y a eu un bouleversement, quoi. Ça, c'est à ce moment-là que le MCU, il a, j'ai l'impression, convaincu un peu tout le monde. C'est-à-dire que avant ça, le MCU, c'était un truc en mode bon, bah oui, il y a Marvel qui sort des films, ils sont plus ou moins liés entre eux, mais on s'en fout un peu. Effectivement, oui. Et que quand il y a eu les Avengers, ils se sont dit ah oui, d'accord, c'est sérieux leur truc, c'est vraiment. C'est vraiment, on va révolutionner le cinéma de divertissement, quoi. Ouais. C'est du sérieux. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ouais. Et on en reparlera après la rétrospective, ouais. Ouais, ouais. Et en termes de réalisation, le film, il est d'ailleurs, je trouve vraiment impressionnant et plus impressionnant que d'autres du MCU que j'ai pu voir. C'est le côté vraiment, ben ouais, on s'en bat les couilles, on va faire un plan séquence qui se balade dans tout New York, on va suivre chacun des héros, puis ils vont se rassembler, puis enfin. Avec le travelling circulaire, la même visuellement, ça a vraiment une gueule qu'on compte pas beaucoup de films de divertissement, en vrai. Et qui a très bien vieilli également. Ouais. Travelling circulaire qui, d'ailleurs, est une prouesse. Enfin bref, mais du coup, ils ont changé le format du film exprès pour que ça puisse rentrer. Parce que vu que Hulk est plus grand que tous... Oui, c'est un des rares qui est en 16/9e, ouais. Voilà, c'est ça. Vu que le Hulk est plus grand que la plupart des héros, et bah, ils pouvaient pas réduire le format au format habituel, tu vois. Et du coup, ils ont été obligés de faire ça en 16/9e. Chose qu'ils ont corrigée dans Avengers 2, qu'ils ont laissé en cinémascope. Mmh. Et d'ailleurs, on voit, il peut pas faire ce travelling circulaire, ouais. Et l'introduction se fait avec différentes valeurs de plan pour qu'on voit tous les héros. Ouais, sur un côté un peu plus horizontal, même en cinémascope, t'es un peu obligé de mettre Hulk à l'horizontale, quoi. En fait. C'est ça, ouais. Dans Age of Ultron, donc Avengers 2, numéro 11, ils ont le travelling circulaire, ils l'ont fait, mais la caméra, c'est pas un travelling circulaire, genre, enfin, c'est même pas un travelling circulaire, mais la caméra, elle tourne, mais à l'intérieur de l'action. Donc on voit tous les personnages au ralenti, voilà, qui se déplacent dans l'action quand ils combattent Ultron. Ils sont beaucoup plus nombreux à la fin de la bataille. Mais la caméra, c'est pas vraiment un travelling circulaire ultra propre. C'est la caméra se balade, elle change de. Mais on en reparlera de Age of Ultron parce qu'il faut qu'on avance concrètement, parce qu'on a d'autres émissions à faire après. Pour finir sur Avengers, les personnages, il y en a. Comme je parlais des têtes d'affiche. Des fois, quand tu as un film qui a avec que des têtes d'affiche, je pense notamment à Once Upon a Time in Hollywood, qui est sorti l'année dernière, bah, quand on t'annonce autant d'acteurs que t'aimes, bah, tu as envie de les voir tous. Et d'habitude, bah, là, bah, non, évidemment, bah, quand tu as autant d'acteurs géniaux au même endroit, tu peux pas être tous les personnages principaux. Et là, même si Iron Man est un peu plus mis en avant que les autres, comme dans tous les films de Réunion, même dans Civil War, d'ailleurs, dans le film Captain America, tu as l'impression que c'est Iron Man le personnage principal. Ils ont réussi à vraiment donner quasiment autant de valeur à chaque personnage. Et ça, c'était très difficile, je pense, qu'on s'attache à tous les personnages. Mmh. Tiens, on t'introduit plein de surtout personnages. Surtout qu'en plus, il y en a deux qu'on connaissait même pas, ou à peine, en fait. Bah, tu penses à Black Widow et Hawkeye. Oui, on les avait vus, mais genre, ils étaient Black Widow, elle a quand même été bien introduite dans Iron Man 2. Et pas de film sur eux, quoi. Mais effectivement, Hawkeye, on le voit 2 minutes... Hawkeye, on le voit 2 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Thor, mais personne n'a fait le rapprochement avant... longtemps. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis le... Ok, c'est un mec avec un arc. Est-ce que c'est le même arc ? Deux films Iron Man et aucun film Hawkeye. Ni Black Widow. Le film Black Widow. Voilà, on a fallu attendre 12 ans pour avoir un film Black Widow. Bah, d'ailleurs, qui a encore été repoussé. Oui. Ah, il est sorti en mois d'avril, Covid. Donc, il devait sortir au mois d'octobre, Covid. Bah, du coup, il sortira avril l'année prochaine et c'est pas sûr. Je commence à flipper là. Ouais. En plus, à Skip. Attends. Non, je voulais dire un truc à De Georges. Il y a Rachel Weisz dedans à Skip.
Ah bah du coup, je vais aller le voir. On va aller le voir. Ok, bah très bien. Bah merci pour ton intervention, Pierre. On refera peut-être appel à toi. Très bien, on t'appelle pour les Gardiens de la Galaxie. Mais du coup, ouais, juste pour finir, ouais, c'est... financièrement, c'était sûr que ça allait être un succès, mais scénaristiquement, c'est... ils ont réussi quand même quelque chose qui semblait impossible, quoi, qu'on s'attache autant aux personnages et tout. C'est très très impressionnant, c'est vraiment... les films de Réunion, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, parce qu'il faut détailler un peu tout le monde, mais en même temps sans... sans paumer les gens et tout ça, et c'est vrai que c'est une très grande réussite. Et surtout que ça installe des choses qui viendront plus tard. Mmh. Ça, sans que tu t'en rendes compte, ils installent les bases de ce qui viendra plus tard. Et notamment, on introduit Thanos. On introduit Thanos en scène post-générique, mais le Shield. Aussi. Parce que avant Avengers, le Shield, là, dès le début du film, dès le début d'Avengers, le Shield, tu te rends compte que c'est un truc de dingue. Ouais. Alors que dans Iron Man 2, le Shield, tu dis ouais, c'est quoi, c'est genre c'est la CIA avec moins de budget. Quoi. En fait, on installe vraiment l'univers comics dans Avengers. L'univers étendu dans Avengers, il est étendu, quoi. C'est vraiment là, il te le balance sur la table, mais le balance comme il faut. Quoi. Voilà. Donc pour conclure, avec rétrofusée, atterrissage tranquille. Ouais, pour conclure, une phase 1 pour le meilleur et pour le pire. Allant d'un Iron Man à un Hulk. Ça, le meilleur, ils l'ont fait au début. Donc Mais avec une super conclusion avec un Avengers qui place des bases énormes et donne très, très, très envie au public de revenir pour les films à venir. Et le septième film du MCU est. Iron Man 3. Réalisé par Sean Black. Sean Black. Qui a fait quoi d'autre ? De George, il a fait quoi d'autre ? Je ne me rappelle plus. Mais il a fait d'autres films qui sont un peu plus petit budget, qui sont apparemment c'est un réal assez en termes de critique il a assez bien noté, il me semble. D'accord, ok. Donc attends, commence à parler sur Iron Man 3 parce que ouverture de la phase 2. Moi je vais commencer déjà par dire, moi contrairement à vous deux, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'adore. C'est Yo qui l'aime pas. Hein. Ah ouais, moi je l'aime beaucoup parce que déjà Iron Man, c'est un personnage que j'aime énormément parce que c'est le premier film et tout, et je suis très très attaché à ce personnage. Du coup, pour moi Iron Man 3, il est déjà mieux que le 2 selon moi, parce que on voit beaucoup le côté humain d'Iron Man déjà, parce que il faut savoir que dans Avengers, Iron Man va dans l'espace pour sauver l'humanité. Qu'il a deux doigts de mourir, mais qui meurt pas au final, enfin bref, et qu'il a vu les extraterrestres et tout. Et il y a un côté très humain qu'on installe dans Iron Man 3, qui est le stress post-traumatique. Oui. Et du coup, on se rend compte que le héros qui est Iron Man 3, c'est pas du tout un héros au final, parce que c'est une personne comme les autres qui a du stress post-traumatique, qui a peur de mourir, qui a des angoisses, etc. Ces crises d'angoisse, elles sont géniales. Voilà, c'est ça. Enfin, tu t'attaches encore plus de personnages, et pour moi, c'est très important d'introduire ça dans un film propre à Iron Man, et qui du coup. Montre que c'est la suite d'Avengers, parce que c'est très important et tout. Et en plus, pour moi, le méchant, il n'est pas si nul que ça. Genre, il y a des idées assez intéressantes. Je trouve génial. Le fait que. Mais j'aime pas Pepper Potts. Le fait que Pepper Potts soit. Bébé. Le fait qu'elle soit introduite dedans, qu'elle ait un rôle important dedans, enfin, moi je trouve ça super important aussi, parce que dans les films de super-héros, en général, les femmes des héros, entre guillemets, malheureusement, elles n'ont pas une place très importante. Ouais, c'est la princesse, c'est ça. Et le fait que dans Iron Man 3, elle ait une place importante et que ce soit vraiment un élément scénaristique important dans le film, moi je trouve ça génial. On reste sur cette notion de princesse en détresse, mais ça va quand même au-delà. Ah, oui, il y a quand même Pepper Potts, ça a été enlevé, il faut aller la secourir, mais. Mais il y a quand même un moment où la princesse en détresse, elle dit que le game, quoi. C'est Gwyneth Paltrow, c'est pas Joel Rigolo, quoi. C'est Hulk, quoi. À la fin, c'est Hulk, hein, quand t'apprends la barre pour foutre un taquet dans la gueule de Guy Ritchie, n'importe quoi. Guy Pierce. J'ai regardé The Gentleman hier soir, désolé. Mais là où, effectivement, c'est ce qui m'a plu, évidemment, c'est ce stress post-traumatique qui est là tout le long du film. Ouais. Et que c'est pas en mode, ok, non, genre, j'ai des angoisses, et puis en 5 minutes, on s'en bat les couilles. Non, tout le long du film, c'est là. C'est même, le truc principal du film, c'est est-ce que Tony Stark va réussir à surmonter ses angoisses. Et là où j'étais très étonné, très surpris, où je ne m'attendais pas du tout à cette direction, à ce que le MCU prenne cette direction-là. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait le MCU. Pour moi, c'était juste la saga Avengers, tu vois. C'est qu'il y ait autant de liens avec Avengers. Ça c'est une très bonne chose, et j'étais étonné, tu vois, quand j'ai vu la bande annonce où il dit rien n'est plus pareil depuis New York, j'étais en mode oh putain, il parle d'Avengers, c'est pas genre en mode il s'est passé ça mais on s'en bat les couilles dans la suite, tu vois. C'était comme là c'est un film solo, on s'en bat les couilles de ce qui s'est passé dans le film de Réunion. Et j'étais en mode
yes quoi. Ouais, ça, ça moi qui adore les sagas quoi, tu dis, ah, là voilà, là on a une saga les gars. Effectivement, c'est là c'est posé sur la table quoi. Ouais, mais c'était très bien de recommencer par ce film là parce que déjà on revient par ouais, non, je suis fatigué. Parce que Simon il est fatigué. Non, parce que on revient en l'autre. Non, on revient avec un personnage qui est apprécié et on le sait et qu'on a déjà bien développé, donc ça permet de rassurer les investisseurs, de dire après Avengers qu'est-ce qu'on fait, ben, on va pas faire le film Jeremy Renner mais le film Hawkeye, mais on revient sur Iron Man qui a déjà deux opus, qui a de quoi être développé, un personnage très, très développé que les gens adorent et qui en plus peut avoir un lien direct avec ce qui s'est passé dans les événements d'Avengers parce que c'était aussi dans sa tour à lui, enfin c'est pas comme si il n'avait pas sur notre planète quoi. D'ailleurs, tu parlais de films sur Hawkeye. La série sur Hawkeye est là, elle est en production. Wow. Ça avance de plus en plus. Mais donc là, on est dans la phase 2, donc le premier film de la phase 2, donc le septième film du MCU. Et c'est dans la phase 2, donc qui va du 7 au 12, qui voulait faire le film sur Black Widow. Mais il y a eu des problèmes de production et ça a été repoussé à la phase 4, donc 10 ans plus tard. Quoi. Mais, coup dur. À la phase, le film sur Black Widow, il devait sortir, il était prévu avant Avengers 2, quoi. Et c'est coup dur pour la joueuse russe. Ouais. Donc, dans Iron Man 3, ce qui est très, très dommage, je trouve, hein, qui est bien, parce que je trouve qu'il est bien exploité et marrant dans Iron Man 3, mais pas assez, c'est qu'il y a le personnage du Mandarin, qui est un personnage très important dans l'univers de Marvel. Alors là, on va en parler rapidement, ouais. Mais qui est, selon moi, mal exploité dans Iron Man 3. Non, objection, quoi. Monsieur le juge. Pas mal exploité, mais vraiment pas assez, tu vois, parce que c'est vraiment un personnage important dans. Alors attends, comment tu ressens, parce que qu'est-ce que t'aimes pas dans Iron Man 3, toi, en fait? Je sais pas, ce film il me revient pas. Ah d'accord. Ce film il me revient pas. Donc ça a rien à voir avec le Mandarin? Ah non, ça, ah non, le Mandarin, moi je le kiffe. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi j'aime beaucoup aussi. Donc personnage très très important, c'est parce que Iron Man, ça fait partie des super-héros qui ont le moins de comics. D'habitude, bah, tu vois, Spider-Man, il a 4000 comics introuvables, plus 10 000 trouvables. mais le Mandarin, donc, c'est l'antagoniste principal d'Iron Man tout au long du comics. Et la déconstruction du méchant, elle est magnifique. Là, que ça soit un vieux porc qui sort de ses toilettes, qui regarde les deux prostituées en mode n'allez pas aux toilettes, là, je viens d'incendier l'endroit, tu vois. Moi, je trouve ça génial. Mais surtout, qui est complètement pété, coqué à mort. Et puis, il y a une vraie grosse cohérence avec le fait que le Mandarin, c'était évidemment à ce moment-là, on revient à la propagande qu'il y avait évidemment. Voilà, on la ramène à aujourd'hui en le rendant, en le mettant au Moyen-Orient et non en Chine. Mm-hmm. Ouais. Et on montre en fait que tout est manipulation au sein de l'État et tout ça pour montrer bien qu'en fait la plupart des menaces sont finalement aussi des propagandes. Il y a cette notion d'ennemi commun en fait. Mmh. Et de revendiquer des attentats qui ne sont pas les nôtres. On est en plein dans le terrorisme, on est en plein dans. On est aussi dans le poste de Tours. Et c'est. Enfin, poste World Trade Center plutôt. Mmh, oui. Et c'est très 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 intéressant comment politiquement celui-là a vraiment un propos énorme, actuel et réactualisé. Celui-là plus que le premier Iron Man effectivement, mais pour le spectateur attentif et surtout pour le fan de comics, c'est que le Mandarin il est installé dès Iron Man 1. Oui, avec les 10 anneaux. Parce que les 10 anneaux, on te les installe dès Iron Man 1 et dans les comics, donc le Mandarin est le chef des 10 anneaux, donc un groupuscule de méchants, quoi, si on veut. Un groupuscule de méchants. Et d'ailleurs, le film sur les 10 anneaux va sortir, c'est Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, va sortir d'ici 2-3 ans. Il est en production, là. Mais ça, c'est. Le méchant, il n'arrive pas de nulle part. Et le fait que ça soit, le propos soit ramené au Moyen-Orient, c'était déjà dans le 1. Parce que directement, on te dit le Mandarin, pour le spectateur attentif, là, dans le 1, pour le fan de comics, on te dit directement que le Mandarin sera du Moyen-Orient et pas de... Attends, je vais être raciste là. Chine ou Japon? Chine. Excusez-moi. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est instauré dès le 1. Donc effectivement, on le voit dans le 3, mais c'est instauré dès le 1. Voilà, c'est tout pour moi, voilà. C'est une des capacités que j'ai de parler 10 minutes pour dire un truc qui prend 30 secondes. Bon, enfin bref, moi, je dois dire, alors je vais être complètement honnête, c'est mon film préféré d'Iron Man, mon film préféré de la phase 2, et sans doute le film que j'ai le plus vu du MCU. Wow. Donc, non, je trouve que c'est un des seuls films qui a vraiment une identité très, 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 très forte en tant que film, déjà. Et deuxièmement, un des seuls qui part vraiment avec, allez, on pourrait mettre Civil War dans le lot, mais dans un vrai scénario un peu différent.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'introduction de personnages ou la suite ou la destruction du monde, le personnage qui est machin. Ouais. On est vraiment dans une intrigue politico enquête policière en fait. Parce qu'il enquête, il sait pas ce que... Voilà, et t'as le twist, t'as tout ça, t'as toutes les codes du polar en fait. Ouais. Et du film politique. Et c'est un des j'aimerais que plus de films du MCU ressemblent à celui-là dans le sens où. Ouais. Et vraiment des. Essayer d'explorer d'autres choses comme il l'a fait lui, en prenant un peu plus à contre-pied et en développant un peu mieux. L'univers au sein même de son film, on va dire. Ouais. Bah, c'est vraiment un film qui est vraiment complet, parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de choses, enfin comme tu as dit là, mais même encore, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au 16 automatique et tout, ça a vraiment une importance dans le film, parce qu'on se rend compte à la fin que toutes ses armures et tout qu'il a construit pendant ses insomnies, parce qu'il était pas bien et tout, ça va lui servir au final. C'est son 16 automatique va le sauver, ouais. Quelque part. Et ça, c'est, je trouve ça très important. Et puis, là, c'est le film où Iron Man a la plus grosse progression. Totalement. Ouais. Et le problème, c'est que d'ailleurs, un peu trop. Parce que dans les autres films, ils reviendront un peu en arrière en fait, ouais, en lui refaisant faire des blagues et en lui refaisant construire dans du Avengers 2, t'as l'impression qu'il s'est rien passé pendant Iron Man 3 quoi. Bah, en fait, ça me fait penser un petit peu au Gardien de la Galaxie dans le sens excellent film, peut-être pas forcément un grand cadeau pour la suite parce que ça demande de faire des pirouettes. On y reviendra dans 5 minutes, mais parce qu'on est bientôt au numéro 10 là. Mais on y reviendra parce que là, je vois pas exactement de ce que tu veux dire. Bah, tu fais évoluer un personnage tellement au sein de son propre film que derrière, si tu veux réexploiter la hype dans les autres films, t'es obligé de le faire rabaisser un petit peu à ce qu'il était dans les premiers. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de dire Iron Man maintenant, c'est un mec sans armure, très intelligent, très humble et tout. Parce qu'il est quand même très drôle à être hyper imbu de sa personne, plein d'armure, plein de gadgets. Et j'entends ce que tu dis, mais je vois pas le rapport avec les gardiens. On y reviendra quand on sera sur les gardiens. Mais On y reviendra sur les gardiens. Mais effectivement, pour Iron Man, ça, je suis d'accord. Pour Iron Man, je suis d'accord. Il faut aussi noter qu'il y a important un petit peu quand même qu'à la fin de Iron Man 3 il se fait opérer. Tony Stark se fait opérer, oui. Se fait enlever les fragments de Chartnell, dans le cœur, qui du coup le tuait à petit feu, et du coup il n'a plus besoin de son truc dans le cœur, son test de réacteur, je sais pas quoi. Donc du coup c'est un peu ce qui fait de lui un être humain comme avant, mais il y a plus ce côté genre Iron Man, l'homme et la machine, voilà, c'est ça. Avec cette opération, on se rend compte aussi que Iron Man est un personnage qui lutte pour sa survie. Et là, on se rend compte de l'impact dans le 2, au final. Que dans le 1, c'est quelqu'un qui construit son truc pour survivre. Dans le 2, le truc qu'il a construit, donc sa machine pour survivre, est en train de le tuer. Du coup, il faut qu'il change ça. Dans le 3, on est en mode, OK, c'est bon, là, le personnage, il évolue. Et il n'a plus besoin d'être dans la survie constante. D'être assisté par une machine. Finalement, cette progression, elle sera plus poursuivie dans Endgame qu'autre chose. Enfin, même dans Infinity War. Ouais. Est-ce qu'on passe au prochain film? Ouais. Alors, donc, voilà, petit bilan. Voilà, Iron Man 3, qui est quand même vraiment très, 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 très bon, avec un antagoniste quand même que j'aime beaucoup, quoi. Enfin, du coup, le faux antagoniste, quoi, le mandarin, disait, c'est quand très même très, construit. Très, très bien construit, quoi. En plus, Ben Kingsley, et merci, voilà. Quoi. Et donc, encore du grand casting, Ben Kingsley. Mais en fait, il va falloir qu'on cite les acteurs qui ne sont pas dans le MCU à jour. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a tout le monde là. Au niveau casting américain, on est quand même partout. Oui, parce que là, quoi, dès qu'il y a un film qui sort tous les ans, je suis en mode « Ah oui, mais ils se connaissent du MCU, oui, non, mais ils ont tous les deux joué dans le MCU, tu vois. » Là, entre Keanu Reeves et Christian Bale qui vont rejoindre la famille, on va être au complet, hein. On est sûr là. Keanu Reeves et Christian Bale vont rejoindre le casting du MCU. Ah oui, non, mais ça c'est quel... Keanu Reeves c'est officiel, Christian Bale pas encore. Christian Bale c'est Keanu Reeves c'est Christian Bale, je sais pas, mais Keanu Reeves, Christian Bale peut-être pour Nova Prime. Ok. Donc un personnage très inconnu du grand public que je connais très peu moi-même. Je ne connais pas moi. Et Keanu Reeves va certainement jouer Nightwing. À la base, ils avaient proposé le rôle à Daniel Radcliffe, et puis je sais pas, puis là c'est Keanu Reeves. Donc entre Daniel Radcliffe et Keanu Reeves, le grand écart, je l'ai pas compris. Ouais. C'est bébé ou bébé? Bah bébé plus musclé du coup. bébé musclé. Donc super casting, très très bon film qui clôture aussi un peu l'arc narratif d'Iron Man quelque part. Oui, totalement. Comme il y aura pas d'autres films centrés sur Iron Man, ça clôture quelque part sa saga à lui. Mm-hmm. Et ça la clôture en beauté. En beauté, totalement. On va passer au film d'après parce que ça fait déjà 12 minutes qu'on est sur un seul après film. Marvel One Shot. Après Iron Man 3, il y a le Marvel One Shot qui s'appelle celui-là. All Hail the King. Donc les one-shots, c'est les courts-métrages qui se passent entre deux films. Et donc là, t'as le mandarin en prison et t'as un journaliste qui vient lui parler. Il se passe tout un tas de trucs, machin. Et là, on t'annonce que le mandarin existe vraiment.
C'est pour ça que Simon l'a pas aimé, ce court-métrage. Moi, j'ai trouvé que j'étais assez d'accord avec lui parce que on renonce au parti pris d'Iron Man 3. J'aime bien l'idée que le mandarin existe dans l'univers et qu'il fasse, justement, si c'est pour en faire un film derrière, autour de la Chine, oui, d'accord, pourquoi pas réintégrer le mandarin. Mais ils ont chié dans leur froc, en fait. Les fans n'étaient pas contents, alors ils ont réparé l'erreur avec un court-métrage. Ouais, alors voilà, s'il n'y avait pas eu de suite, ça aurait vraiment été une idée de merde. Là, le fait de réintroduire le mandarin fait qu'il y a une bonne raison de l'avoir fait. Mais ils n'avaient pas besoin de le faire post-film. C'était vraiment pour lécher le cul des fans. Ouais, pour lécher le cul des fans qui avaient craché sur la direction du mandarin. Mais là où j'ai un attachement émotionnel à ce court-métrage, même si je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il a été fait pour les mauvaises raisons, je trouve génial en tant que court-métrage à part entière, en dehors de l'univers. En termes de court-métrage, cet acteur qui raconte son histoire dans une cellule de prison, je trouve ça délirant. En plus, tu retrouves Justin Hammer de Iron Man 2 qui est en tôle aussi, tu vois. Je trouve très drôle et très intéressant en tant que court-métrage, mais pas dans l'univers. Oui, d'accord, ok. Je peux être d'accord avec. Ouais, donc, huitième film, pardon. Thor, The Dark World. Donc, réalisé par... Wiki Sorensen, j'ai un trou. je ne sais plus, mais un acteur... Non, un réalisateur... Un réalisateur, pardon, oui. Qui n'a pas fait des trucs ultra connus. Et ce film qui a eu énormément de problèmes de production. Changement de scénariste pendant le tournage. Alan Taylor, ouais, voilà. Attends, il a fait quoi, excuse-moi. J'ai vu un autre film de lui. Tout ce qu'il a fait. On va éviter le noir antenne. C'est celui qui a fait Terminator Genesis, effectivement, oui. D'accord, ouais, du coup, non, je vais arrêter de parler du coup. On ne crache pas sur Genesis, ok. C'est un mauvais film, mais je l'aime, d'accord. D'accord, bah moi. Emilia Clarke, ok. Tiens, je vais rebondir là-dessus en disant que The Dark World, c'est un film qui est. Pas bon, mais surbâché. Mais voilà, c'est parce que le MCU a mis la barre assez haute, donc forcément il est en dessous. Ils ont réécrit le scénario 2 semaines avant le tournage, ils ont changé de réal au tout début du tournage. Le réalisateur, il est là, mais attends, les personnages là, il faut les faire développer. Le réalisateur qui a fait un mauvais film, qui a fait d'autres mauvais films, mais qui a essayé de tirer le film vers le haut. Mais non, le problème de production sur problème de production, mauvais. Ce qu'il y a, c'est que c'est un film qui a pas de mérite d'existence propre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vient plus semer des incohérences, pas en son sein, parce qu'il est assez cohérent en son sein, mais c'est le film qui vient, je trouve, poser la question du « Mais si les Avengers, ils se connaissent, pourquoi est-ce qu'ils affrontent pas le mec ensemble ?» Tu vois ? Là où t'avais pas ça dans Iron Man 3, non, par exemple. Iron Man 3, c'est une histoire policière, ça n'a rien à voir. Tu l'avais pas. Et je trouve que ça vient instaurer ce truc-là sans apporter de vrais propos en soi, parce que Thor n'a aucune évolution au sein du film. Ouais. Et ça, c'est le vrai problème. Et alors ce qui est dommage, je trouve, c'est que dans ce film, on fait l'introduction d'une deuxième pierre d'infinité, qui est très important dans le MCU. Oui. Et que c'est pas très bien exploité, quoi, encore une fois. On nous montre pas que c'est quelque chose d'important, c'est mal écrit, c'est mal fait, enfin, je trouve ça très dommage. Il y a quelques scènes qui sont pas mal, mais qui sont concrètement inspirées d'autres choses, comme la scène du camion qui vole. Ça, c'est M83, non, c'est pas le clip de M83, ça. Honnêtement, quand j'ai vu Thor 2, j'étais en mode. Mais c'est Midnight City, ça, de M83, on est d'accord. Mais je crois que c'est ça, ça vient de... En tout cas, voilà, ça a été forcément très inspiré, cette scène. Bon, après, on peut pas nier qu'elle est quand même très sympa, mais pour le reste, c'est vrai que là, on retrouve un peu le problème de Thor qui est pas attachant et qui est d'autant moins attachant qu'il a aucun enjeu parce que, entre guillemets, il est déjà accompli, lui, et on a déjà vu qu'il était surpuissant et que... Tu t'en bats les couilles de retrouver Thor, par contre, t'es content de retrouver Natalie Portman, de retrouver Skarsgård, de retrouver l'assistante de Natalie Portman et tout, genre, là, à ce moment-là, les autres personnages, tu les adores. Pareil, Loki, t'es content de le revoir. Odin, Anthony Hopkins et Tom Hiddleston, t'es content de les revoir. Mais Thor, ouais, non, je sais pas, tu t'en fous un peu. Bah, surtout, en fait. Alors que Chris Hemsworth, quand même, c'est bébé, quoi. Bah, c'est sûr que. Surtout que tu sors d'un Iron Man 3 qui a essayé de tout chambouler avec sa propre intrigue très complexe de film policier et tout ça. Et là, tu reviens finalement au film le plus classique du MCU, c'est-à-dire vraiment la base du méchant revenir, gentil tuer méchant. Et il n'y a rien de plus, il n'y a vraiment rien de plus. Gentil casser toute une ville. Tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, voilà. Détruit Greenwich Village, quand même, les gars. Voilà, et on va encore faire taffer. Les fonctionnaires pour réparer les villes avec l'argent public, bah bravo. Ah d'ailleurs ça, on en parlera quand on sera sur Homecoming, mais. Ouais, mais en tout cas, bref, c'est un film qui est surbâché parce qu'il souffre pas de réels défauts, si ce n'est qu'il a qu'il est pas ouf, qu'il est pas à la hauteur des autres en fait. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais film, c'est un film qui a juste pas réussi à se dégager de son ambition, de ses problèmes de production et en fait qui finalement est très classique dans la forme et n'apporte rien au sein du MCU.
Je veux dire, voilà, la planète elle menace de mourir et finalement on rebondit jamais dessus, alors que l'événement il est presque égal à celui de New York, si ce n'est même plus. Donc c'est finalement, ça crée plus d'incohérence au sein de l'univers sans apporter quelque chose. Ce film sert juste à poser deux choses. Donc, comme l'a dit Soren, une nouvelle pierre d'infinité. Et surtout, ça nous donne dans la scène post-générique, excusez-moi, j'ai roté. Ça nous donne dans la scène post-générique la localisation de cette pierre d'infinité qui sera donnée au collectionneur. Collectionneur, un personnage joué par Benicio del Toro, tu vois, encore un casting de ouf. Encore un casting de ouf. Personnage qui sera introduit dans deux films plus tard, dans le numéro 10, là on est au numéro 8, Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, mais on termine avec Thor, on va pas s'éterniser dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Ouais. Juste que ça a été un enfer de production et que ça explique sa mauvaise qualité. Voilà, d'accord. Ouais. Bon, rien que le fait qu'il soit sorti au cinéma, c'est une victoire pour le studio, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, on va passer dans ce cas-là au 9e film. Donc, Captain America The Winter Soldier, donc sorti en 2013. Ouais, sans doute 2013. Ouais. 2013, il me semble. J'aurais dû garder la page wiki ouverte parce que là. Ouais, enfin bref, Donc Captain America, qu'est-ce que vous pensez? La bande annonce, j'avais vu la bande annonce en 3D au ciné, elle m'avait fait mal au crâne. J'étais en mode oh là là mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça va être de la merde. Quand le film, je l'ai vu, j'étais en mode c'est mauvais. Et quand je l'ai revu, j'étais en mode mais je suis con en fait. Je sais pas, il est meilleur que Captain America 2, il est meilleur que Thor 2, je l'ai préféré à Iron Man 3. C'est Captain America 2, donc... Ouais, Captain America 1, pardon, oui. Ouais. Meilleur au premier Captain America, et finalement, j'ai 2014. Kiffé... 2014. Alors, c'est un film... J'ai kiffé ce film. Bah oui, Captain Guardian of the Galaxy, c'est 2015. Non, c'est un film qui introduit... Thor 2, pardon, c'est 2013. C'est un film qui introduit de nouvelles personnes, enfin, qui réintroduit Natasha Romanoff, et qui introduit... Falcon et le Soldat de l'Hiver qui développe beaucoup Natasha Romanoff et qui développe beaucoup voilà et en fait alors et moi qui je développe dois dire, et qui développe excuse-moi je te coupe encore le Shield, c'est un des films que j'aime le moins, je vais être honnête, j'ai le droit de me barrer pendant l'émission ou pas parce que je sais pas pourquoi, alors pourtant je trouve pas de défaut réel. Mais j'ai peu d'attache pour ces mecs-là. J'ai l'impression qu'en fait, Captain America, on est un peu sur le retour du Boy Scout. Et le problème, c'est que même quand il arrive à ne pas l'être, bah finalement, c'est Falcon qui va l'être. Et puis au final, on est sur quelque chose de vraiment... ouais, je sais pas. En fait, c'est peut-être que ça m'intéresse moins. Ouais. Mais pourtant, je le trouve très bien, hein, assez bien réalisé, des bonnes scènes et tout. Mais je le trouve beaucoup plus... Bah, peut-être que je commençais à m'attacher à l'effet cosmique. Mm-hmm. Et, ouais. Et international et machin, et que là on revient de revenir à un conflit assez et puis, qui touche la terre entière, mais qui est quand même assez centré sur New York. Je veux dire, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait revenir Zola en truc artificiel. Alors c'est peut-être assez comics, mais je veux dire, moi ça m'a fait sortir un peu du film. C'est très comics parce que Zola est un personnage très important dans les comics, ouais, ça m'a pas gêné, tu vois. Moi j'aurais préféré que ce soit plutôt la descendance du Shield qui créait ça et pas un mec qui remet son cerveau avec la technologie de l'époque ça va trop loin, quoi. Oui, mais ça parle de quoi? Ça parle des anciens nazis qui ont été embauchés par la CIA dans le monde, pas dans la Terre 1999999 de l'univers Marvel, mais dans notre monde à nous. Non, mais ça, c'est, je l'ai dit. Et moi, ça parle de ça, de ces anciens nazis qui ont été recrutés par la CIA. Le fait que le Shield soit en grande partie nazi. Pas nazi, Hydra. Parce que Hydra, c'est pas des nazis. Soit Hydra. Un peu pareil. Non, c'est pas la même ambiance. Ils ont Hydra n'a rien contre les Juifs, ils détestent tout le monde. Ouais, d'accord. Bon, enfin bref, le fait d'avoir rendu justement le Shield pourri de l'intérieur, je trouve que c'est une bonne idée. Le fait d'avoir fait revenir Zola n'était pas nécessaire. Je pense que finalement, je préfère largement l'idée qu'il y a des mecs dans le Shield qui soient toujours de l'Hydra, sans avoir forcément cette espèce d'intelligence artificielle qui maîtrise tout depuis le passé dans un espèce d'ordinateur fait à partir de bandes analogiques. Je suis ouais, mon cul. Mon cul. Trois héliporteurs, ça me suffit déjà au niveau du contrat de crédulité. J'ai pas besoin de plus. Là, c'est trop et ça m'a sorti vraiment du film. J'ai trouvé ça mieux exploité dans Civil War, en fait. Ouais. Politiquement. C'est un film important quand même, parce que justement, il introduit un peu les prémices de Civil War, il introduit un nouveau personnage. Enfin, oui. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est pas un film qui m'est marqué, et que forcément, quand tu redescends de toute la phase cosmique et tout jusqu'à ça, bah c'est un peu chiant, quoi. Mais ça reste un bon film, tu vois. Au-delà de développer l'univers étendu, parce qu'il développe le Shield, il développe Nick Fury, il développe aussi l'agent Hill, joué par la formidable Cobby Smulder, mm-hmm. que certains connaissent sous le nom de Robin. dans I Met Your Mother. Et
c'est qu'il développe bien les personnages qu'on nous a déjà présentés. Il introduit bien les nouveaux personnages. Et surtout, là où j'ai aimé ce film... J'ai commencé à aimer ce film quand j'ai vu la dimension politique qu'il pouvait avoir. Ouais. Surtout la politique, la dimension que ça avait au niveau de l'actualité. Parce que le projet Insight, donc le projet avec tous les héliporteurs et tout, cet algorithme qui va trouver les menaces, qui va trouver les actes terroristes avant qu'ils n'aient lieu, donc pour punir, comme dans Minority Report quelque part, punir un crime avant qu'il n'ait lieu, ça pose énormément de questions sur la liberté. Est-ce que, qu'est-ce qu'on veut en tant que citoyen dans le monde ? Est-ce qu'on veut de la sécurité ou est-ce qu'on veut de la liberté ? Et là, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qui a toujours été d'actualité. C'est est-ce qu'on réduit la liberté de nos citoyens pour qu'ils aient plus de sécurité ? Ou est-ce que on punit un crime après qu'il ait été commis ? Est-ce qu'on on laisse est-ce qu'on punit le crime après l'attentat ou avant l'attentat ? Sauf que si avant l'attentat, il n'y a pas eu de crime. C'est la politique de prévention. Mais je t'ai dit, politiquement, ça, il m'intéresse. C'est juste que je trouve qu'ils se sont emmêlés les pinceaux avec l'idée de Zola, en fait. Oui, mais après... Mais, non, mais Zola, je trouve qu'il fout pas tant que ça la merde, en fait, scénaristiquement, et puis même dans le message. Mais... Non, j'aime bien ce que ça dit sur la liberté et la sécurité, et puis même le fait que le Shield, ils se défendent eux-mêmes contre les super-héros. Quand l'agent Sitwell, qui est un agent d'Hydra, qui est un méchant, hein, mais à un moment donné, il dit Iron Man, Doctor Strange, il commence à parler de Doctor Strange. Enfin, il l'appelle pas Doctor Strange, il l'appelle Stephen Strange. À un moment donné, Bruce Banner, machin, s'ils sont une menace, il faut qu'on puisse le détecter à l'avance, quoi. Si nos super-héros, ils pètent des câbles, il faut qu'on puisse les arrêter, quoi, à un moment donné. Et ça, c'est quand je l'ai revu, c'est ce qui m'a plu, vraiment. La première fois que je l'ai vu, je ne l'avais pas aimé, à part le fait qu'il y avait Robert Redford, parce que Robert Redford, quand même Robert Redford, voilà, c'est pas Joel Rigolo. Oui, il y a Robert Redford dans le MCU. Encore une fois, merci le casting. Merci le casting. Hein. Mais ouais, puis tu vois, t'as le personnage de Bucky qui arrive, qu'on ne retrouvera pas avant Black Panther, mais quand même. C'est qu'il y a un surplus. On le retrouve dans Civil War. Ah bah oui, je suis con. Oui. Non mais c'est effectivement. C'est qu'en fait je trouve que le personnage de Bucky justement et plus Zola en fait, c'est juste que j'ai l'impression que en fait tout le monde a survécu à la Seconde Guerre mondiale et ils reviennent en fait. C'est quoi ce merdier en fait ? Il s'est rien passé entre temps ou ? Et Papy il revient ou pas ? Non, Papy il est mort non. C'est ça. Merde. Échec. Il est tombé du Mirador. Voilà. J'ai osé la sortir. c'est ça un petit peu que je reproche, c'est que finalement ils l'ont le propos politique est finalement trop camouflé. Est désamorcé par la présence d'Hydra et donc du nazisme en fait. C'est-à-dire que comme c'est une vraie question qui se pose, je trouve que Civil War va beaucoup plus loin là-dessus parce qu'en fait c'est des gens légitimes à la porter. Oui. Donc là c'est vrai que t'as un propos qui est très intéressant, qui est est-ce que il faut prévenir de la menace. Oui, mais enfin, comme c'est que des mecs d'Hydra qui le font, t'es un petit peu à dire, oui, évidemment, du coup, c'est les antagonistes. Ça montre aussi que, oui, c'est les antagonistes, mais qui est-ce qui porte le projet Insight ? C'est les gentils. Ouais, mais c'est Nick Fury qui porte. Tout est noyauté par Hydra, mais c'est quand même Nick Fury qui donne son accord pour le projet Insight. Ouais, mais c'est un peu. C'est le fait que aussi, c'est pas parce qu'il y a plus de nazis que l'antisémitisme, il est pas là, quoi. Non, mais on s'en fout, de toute façon, on ne parle pas d'antisémitisme, mais ce que je veux dire, c'est le. On parle de nazis. Non, ce que je veux dire, c'est que le... Oui, c'était pas les seules victimes. Le souci en soi, c'est que pour moi, finalement, ce film-là, il est bien parce qu'il instaure la pensée que va avoir Captain America dans Civil War. En fait, c'est presque un prequel de Civil War, ce film, tu vois. Non, mais parce qu'il se suffit à lui-même. Oui, il se suffit à lui-même, mais pour moi, il n'est pas très intéressant tout seul. Il est intéressant dans l'évolution de Captain America. Mais après, on va pas partir sur un bain de sang, tu vois. C'est un bon Captain America, parce que c'est une bonne suite au premier, tu vois. Ça développe aussi le Shield, que ça avait été. C'est à la fois une suite de Captain America 1, mais c'est plus une suite d'Avengers. Enfin, tu vois, pourquoi je le défonce autant alors que je l'ai bien aimé ? C'est parce qu'en fait, justement, c'est un film qui est très, très, très apprécié par la critique qui aime le MCU, on va dire, et que c'est souvent, il fait partie vraiment des top 5 et tout, et j'arrive pas vraiment à comprendre des masses pourquoi, et j'ai un peu envie de dire, écoutez, il est bien, hein, il est bien, mais il annonce surtout la suite, et au final, c'est bien beau de mettre un enjeu politique fort dedans. Si de toute façon, t'as d'un côté des néo-nazis qui le portent,
pour faire large, et de l'autre côté, un gentil qui se fait pourrir dans sa propre agence et qui doit dégager parce qu'il défend la liberté, c'est sûr que ton propos, il est quand même peu contrasté. C'est-à-dire que là, à la fin, on conclut quand même que la liberté vaut largement à la sécurité. Et c'est beaucoup plus intéressant dans Civil War, où là, les deux parties, c'est une vraie... Enfin, oui, c'est une vraie question d'avis. C'est des gentils, oui. Mais... Et puisqu'ils le construisent mieux aussi. Oui. Hein, parce que, pour le coup, si Hydra se contentait de surveiller, on est bon d'accord. Mais là, ils veulent buter un tiers de la planète qui est menaçante. Quoi. Enfin, je veux dire, donc forcément, t'as envie de dire, oui, le propos politique derrière, je m'en carre les couilles, hein, vous avez tort. donc voilà, je trouve qu'il est loin d'avoir la subtilité qu'on pourrait lui prétendre, oui. Mais ça, par contre, il n'est pas subtil. Dans la subtilité, c'est liberté ou sécurité, les gars, on fait un sondage. Il est bien, et puis il a des scènes complètement cultes. La scène de l'ascenseur, elle est extraordinaire. Ah, la scène de l'ascenseur, qui en 3D, par contre, donne mal au crâne. En 3D, ça m'avait bousillé les neurones. Ah, j'ai pas regardé en 3D, moi. Oh, ça avait fait mal. Enfin bref, voilà. On va passer à la suite. Juste pour terminer sur Captain America, The Winter Soldier, il tease. C'est Ant-Man, j'ai rien dit, excusez-moi. Mais donc il ne tease que dalle. ce que je voulais rajouter, c'était qu'avec Captain America, The Winter Soldier, il y a l'arrivée de Anthony et Joe Russo à la Réa. Et Anthony et Joe Russo qui vont porter le MCU à partir de ce moment-là, à partir du 9e film. Quand on parle de qui est-ce qui a réalisé le MCU, on dit les frères Russo. Parce qu'ils arrivent à ce moment-là, ils arrivent à la moitié, un peu avant la moitié même. Et c'est des réalisateurs qui vont faire notamment... Civil War, Infinity War et Endgame. Mm. Donc c'est les réalisateurs qui ont le plus bossé sur le MCU. Donc c'est aussi ça qui est annoncé dans Winter Soldier. Ouais, voilà. En effet. Alors, salut tout le monde. Donc, on est de retour. Alors, pour nous, ça fait une semaine qu'on n'a pas parlé du MCU en radio. Pour vous, ça fait peut-être 10 secondes. Voilà. Donc, on verra encore comment on le diffuse. on s'était arrêté sur le soldat de l'hiver. Alors, pour se remettre un petit peu dans le bain avant de s'attaquer au gros morceau qui est les gardiens de la galaxie, Yo a regardé le soldat de l'hiver et a peut-être des choses à nous dire. Enfin, regardez. Tu sais, on a l'impression que je t'ai raté la première fois. Oui, Donc, évidemment, on avait dit que donc, ça marquait l'entrée des frères Russo dans le MCU. Et en le revoyant, puis Simon était avec moi pour la fin, et on s'est quand même dit, bon, au-delà du fait que le film il se suffit à lui-même, c'est vraiment. Il a un début, un milieu, une fin, tu vois, il n'y a pas besoin de l'univers extérieur, de l'univers étendu. Mais il prépare quand même énormément de choses, et notamment Age of Ultron et Civil War. C'est vrai, ouais. C'est vrai que je ne me rappelais pas à ce point-là, quand même. Mais pour moi, c'est un espèce d'arc. C'est-à-dire que là, commence à se déclencher des espèces de sous-arcs narratifs qui vont avoir lieu avec Civil War. C'est-à-dire, en gros, tu as des espèces d'équipes. On commence à voir que Captain America, avec ces personnages-là... Aussi. Il y a la notion. Alors déjà c'est l'acné, la désobéissance, mais c'est pour ça que j'aime ce film moi presque en tant que film de transition au final. Parce que je trouve qu'il va pas au bout de sa démarche en tant que film seul, mais qu'il va mieux, mais qu'il est très bon au sein de la saga en fait. C'est un des meilleurs films au sein de la saga qui aide le plus la saga à ouvrir des portes et tout ça. Ouais, c'est un peu un film transitoire au final, quelque part. Ce qui est bon, c'est un très bon film, hein, mais moi je trouve qu'il est un peu oubliable, tu vois, ce qui est dommage. Ah. Je suis assez d'accord avec c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'en tant que film, ce serait celui dont on se souvient le plus. Par contre, il déclenche. Il y a beaucoup de scènes dont dans mes souvenirs, c'était dans Civil War ou dans Age of Ultron. Enfin, il y a des scènes qui sont. Je sais pas. C'est vraiment, ça crée un arc narratif qui ne fait que commencer. Ouais, le Soldat de l'hiver, son arc narratif, il est. Bah, il y a le début dans le Soldat de l'hiver et la fin dans Civil War, quoi. Bah, c'est ça. L'antagoniste au final, c'est pas le Soldat de l'hiver, quoi. Tout le truc sur Ernie Zola, donc en ordinateur, conscience et tout, en le revoyant, j'étais en mode, effectivement, c'est une facilité scénaristique, mais je trouve pas ça spécialement mauvais. En fait, ce qu'il y a, c'est une facilité. Pour moi, ça fait très comics et ça va plus correspondre à la deuxième partie, en fait. Finalement, ça ouvre un peu à ça, mais ça enlève un peu une part de réalisme qu'on avait instauré jusqu'ici, surtout sur Terre. Avec la notion, avec Iron Man, avec Captain America, pour l'instant, il n'y avait rien qui sortait de la,
la possibilité tangible, c'est-à-dire que les seules choses extraordinaires qu'il y avait venaient de l'espace et déclenchaient tous les faits extraordinaires. Là, t'as juste Zola qui a créé un truc incroyable tout seul en tant qu'humain. Salut les mecs, j'ai un super CV, je suis un des plus grands scientifiques de la planète et je suis nazi. Et je crée une intelligence artificielle avant l'ordinateur. Pour arrêter avec Hydra, Hydra ne sont pas des nazis. Ce sont des enculés. Mais rien à voir avec l'antisémitisme. Bah, les nazis aussi sont des enculés. Hein. Oui, mais c'est des enculés antisémites. Oui. Là, c'est des enculés tout court, ils détestent tout le monde, tu vois, ça n'a rien à voir avec les juifs. Ouais, bon, enfin bref. Nous n'allons pas rouvrir ce débat-là. Du coup, je voulais. On va continuer, hein. On va pas s'éterniser sur le soldat de l'hiver alors qu'on en a parlé dans le film. Du coup, là, de l'avoir revu, j'ai envie de continuer dessus, mais bref. Donc, film suivant, numéro 10, Guardians of the Galaxy, réalisé par James Gunn en. 15, je sais plus. 2014. Oh là là, le retour de Wiki Soren. Oui, j'ai tout préparé. Attention, je suis sur le Wiki Fandom du MCU. Ouais, génial. Waouh. Qu'est-ce que vous avez pensé, parce que c'est un gros virage de Guardians of the Galaxy. C'est un petit peu la première fois qu'on a une. Enfin non, on avait déjà eu avec Thor, mais là, on a vraiment une ouverture spatiale sur un monde qui est immense en fait et où la Terre n'est qu'une infime part. Ça, c'est... Et là, on le voit. On le voit en réel. Et en plus, c'est un film d'équipe. C'est-à-dire qu'on a, un peu comme avec Avengers, mais sauf que tout est présenté en un seul film. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Bah, moi, je me souviens que quand je l'avais vu au cinéma, du coup, et que c'était sorti, j'avais pas du tout lu les comics, je savais pas ce que c'était, les Gardiens de la Galaxie et tout. Et pour le coup, le côté un peu extraplanétaire, non, je sais pas trop, enfin, un peu extraterrestre et tout, je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça fout là, en fait? Genre, je me suis dit, je vais voir un film MCU, ouais, trop bien, mais je reconnaissais pas du tout mes héros dedans, j'étais en mode, mais c'est totalement différent, est-ce que je vais aimer, est-ce que... Du coup, j'étais très dubitatif au début, mais comme tu t'attaches très vite au personnage et tout, bah après, j'ai beaucoup aimé, en fait, vu que ça lance vraiment la suite du MCU et comment ça va se dérouler par la suite et tout, bah en vrai, c'est super bien. Disons que quand il est sorti, moi, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que ça fout là, mais avec les films après, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas l'un des meilleurs, mais il est très très bon quand même. Juste, question pour toi, est-ce que tu avais reconnu Thanos ? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que bah, c'est l'époque où je faisais pas forcément attention aux scènes post-génériques, parce que bah, je savais pas trop, et même si je faisais attention... Quoi ? Non, je fais les gros yeux, parce que Simon, il ne se rappelle pas qu'il y a Thanos dans les Gardiens de la Galaxie. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu l'antagoniste du film. Bon, ouais, il y a deux antagonistes, c'est Ronan et... Ce qu'il y a, c'est que je l'ai vu il y a longtemps, et dans mes souvenirs, du coup, maintenant que tu m'as dit Ronan, je vois la scène. Mais c'est vrai que pour moi, l'antagoniste, c'était Ronan, tu vois, j'avais un peu oublié. Thanos, pour moi, était aussi accessoire que dans Avengers, tu vois. Mes souvenirs, c'était vraiment le... Mais en fait, non, c'est vrai qu'il a plus d'importance quand même. Bah. Thanos, on voit de dos dans Avengers, alors que dans les Gardiens de la Galaxie, vraiment, on le voit de face. Aussi, son design a été changé un petit peu. Il a un peu changé de couleur. Il a un peu changé de couleur. Forcément, tu le reconnais pas tout de suite. C'est que quand tu revois le film Avengers avant que, enfin après, je veux dire. Être violet. Et dans les films, il est plus rose. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Disons que dans les. Je préfère les roses, du coup. Ouais, dans les premiers films, il est un peu rose. Dans les premiers films, dans Avengers, il est un peu rose. Dans Gardiens de la Galaxie, il est un peu plus violet. Puis après, plus tard, il est... Non, il est violet, hein. Il revient quand même vachement rose. Ah, dans Endgame, il est violet. Il est même gris. Gris. Mais après, non, ça, c'est son bras. Bref. Je suis pas sûr que la couleur de Thanos n'ait besoin d'être éternisée. Non, c'est une remarque comme ça. J'aurais dû m'abstenir une fois de plus. C'est rigolo. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi, Sauce. C'est-à-dire que... la différence, c'est que moi, j'ai abordé le MCU vraiment en tant que saga. C'est-à-dire pas des films détachés, en commençant par Les Gardiens de la Galaxie, parce qu'en fait, j'étais au stade où je me disais, j'avais pas vraiment envie de les regarder, encore une fois, j'étais là, oh, putain, non, ça me tente pas. Et je disais, il y en a un seul qui me tente, c'est Les Gardiens de la Galaxie, parce qu'il m'a l'air hyper haut en couleur, et j'ai envie de voir ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, attends, je vais me chauffer un peu, parce que Yo, il m'a dit le premier Gardien de la Galaxie était détaché de l'intrigue globale. Pas mal, justement, que c'était un peu un lancement, donc que je pouvais le faire. Il est très attaché à l'intrigue globale, mais si tu le sais pas, ça, je sais pas, tu peux le regarder en tant que film. Et donc, du coup, je l'ai regardé pour me motiver. Du coup, j'ai adoré. Et derrière, j'ai regardé le 2 tout de suite, que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a un petit peu plus de bordel, mais il y a des choses que j'aime encore plus dans le 2. Mais on y reviendra. C'est le 15, il me semble. Mais et en fait, en le regardant au sein du truc, je me suis rendu compte quand même que c'est un film qui se sert très, très, très bien lui-même. Et qui, si tu n'es pas comme moi très sensible au cosmique univers des comics, pour parler large, peut quand même te sortir un peu de l'ambiance Iron Man avec son armure, quoi. Et pour le coup, avant de les voir réunis, pour moi, c'était un peu deux sagas quand même différentes. C'est-à-dire que le seul lien était Thanos et je
et j'étais pas forcément... C'est grâce à des Thor Ragnarok et tout que vraiment l'univers est devenu plus tangible, ce parallèle entre les deux. Mais pour moi, il y a presque une deuxième saga qui s'est lancée à ce moment-là dans ma tête. Quoi. Ouais, moi aussi. Après, moi, je trouve que ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est que en fait, j'avais peur que vu que ça se passe dans l'espace, il y ait beaucoup de CGI, de trucs comme ça. Je me suis dit, putain, c'est bien la CGI, tu vois, mais si on a trop... C'est un outil, quoi. Ouais, et puis s'il y en a trop, c'est chiant, tu vois. Genre, c'est, ça devient pas beau à l'image. Sauf que pas du tout, en fait. Tout est du maquillage. Et ça, je trouve ça génial. Parce que ça donne un cachet au film supplémentaire. Une texture au film. Et en plus, bah, les maquillages sont super bien faits. C'est très haut en couleur. Et puis, c'est très beau à regarder, quoi. Après, ouais, les couleurs de limite... bois sont vachement réalistes. Tu te dis pas, ok, genre ils ont mis de la peinture verte sur. Sur merde, je me rappelle. Ah, tu vois, c'est marrant, Gamora. Je me dis, Gamora. Non, mais je cherchais le nom de l'actrice. Ah oui, tu parles sur les Zoé. Zoé Saldana. Ouais. Qui joue dans Star Trek aussi d'ailleurs. Oui. Et dans Avatar. Et dans Avatar, a fait Naitiri. Mais ouais, j'ai dit, voilà, ok, c'est sa vraie couleur de peau, tu vois. Enfin bref, je sais pas, les couleurs de peau m'ont vraiment beaucoup. Ouais, je les trouve assez crédibles. Ouais. Mais d'ailleurs, par contre, la limite que je poserais avec ça, c'est que, à part justement avec des groutes, en fait, et encore, c'est quand même le cas, t'as le fait d'avoir tout gardé en réel fait qu'il y a beaucoup moins de personnages d'extraterrestres vraiment bizarres, comme on pourrait avoir dans certains Star Wars. Et donc, du coup, c'est vrai que tout est un peu anthropomorphique. Après, là où ça gêne moins, c'est qu'on a l'impression que c'est dans un univers cosmique qui est admis comme étant justement un espèce de monde à univers parallèle, un monde à planète de plus de pouvoir finalement que de différentes évolutions. On n'a pas l'impression de voir vraiment des espèces différentes. D'après, elles peuvent quasiment toutes se reproduire entre elles. Finalement, on n'est pas dans la bio. Enfin, on n'est pas dans la. On sort de l'idée de théorie de l'évolution. On parle plus d'une espèce de d'autres planètes Terre un peu qui auraient été développées presque pareil avec des petites sciences différentes. C'est un point de la science-fiction qui est assez très humanoïde. Ouais, qui est assez particulier en fait. C'est un point de la science-fiction en fait qui permet une interaction totale entre les différentes planètes et tout ça. Enfin rien que voilà, on prenait déjà l'exemple avec Thor. Enfin faut pas déconner, hein, ils sont tous humains. Physiquement, il y a rien qui change. Donc c'est juste 3 millions de plus quoi. Oui, et puis même enfin. Et puis ils font beaucoup de muscu. Oui, puis enfin. C'est intelligent et en même temps c'est normal entre guillemets de faire ce genre de choix de direction artistique. C'est parce que faut que les gens puissent s'attacher au personnage et si enfin rely, tu vois, genre je trouve que tout bon en français, mais Rocket et Groot ils sont très humains et ça voilà. C'est ça qui fait aussi même s'ils sont pas humains, c'est quand même quelque chose qu'on connaît, tu vois, genre Groot c'est un arbre, bon ok on peut pas forcément s'attacher à un arbre, mais enfin, ça dépend des gens, mais donc on l'aime, voilà. Et puis même Rocket, c'est un raton laveur, donc c'est mignon. Les gens peuvent s'y attacher. Et là, tu vois. C'est Bradley Cooper. Et là, on l'aime. C'est la voix de Bradley Cooper et c'est la tête du frère de James Gunn qui joue un autre rôle dans Les Gardiens de la Galaxie, dans les deux d'ailleurs, et qui fait le second de Yondu. D'accord. Ouais. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu me l'avais dit, j'avais zappé, en effet. Sur le tournage, c'est lui qui joue au Rocket Raccoon. D'accord. Ah ouais, ok. Ah, je savais pas, tu vois. Du coup, il y a une scène trop mignonne où, du coup, t'as ce mec-là qui est le frère de James Gunn qui est assis par terre en tailleur et t'as David Batista, comment il s'appelle, merde Drax. Qui lui caresse la tête comme ça, genre à la fin du film, tu vois. Et du coup, c'est trop drôle parce que l'autre, il est en combinaison blanche et il y a Batista qui lui caresse la tête. C'est trop mignon. Excellent. Donc, toi, t'avais eu un rapport un peu particulier quand t'étais allé le voir en salle. Ouais, parce que quand ils ont annoncé ce film, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que ça vient foutre dans le MCU, tu vois. Voilà. Et j'ai vu la bande-annonce, j'ai déjà. Et l'affiche aussi, l'affiche a beaucoup participé à ma haine contre ce film. C'est que le film n'était pas sorti, j'ai vu la bande-annonce, j'ai regardé l'affiche, j'étais en mode, ok, ça n'a rien à foutre là, ça va être le pire film du MCU, ça va être le pire film de toute la Terre entière. Pareil, en fait. Et après, j'étais sur Facebook, et là, je vois la page officielle de Robert Downey Jr. qui annonce que c'est la meilleure production Marvel de tous les temps. Donc j'étais en mode, ok, d'accord, ok, bon, bah, pourquoi pas. Et ma mère allait au ciné, j'avais pas envie d'y aller, elle allait voir un film et puis je me suis dit ouais j'ai pas envie d'aller voir le même film qu'elle. Et là je vois il y a les Gardiens de la Galaxie qui passent en même temps et bon je commence à lire des critiques et tout et il y a des gens qui disaient que la BO du film était géniale, autant la musique originale que les musiques additionnelles, donc avec tout ce qui est Awesome Mix volume 1 et puis volume 2 pour Gardiens de la Galaxie 2. J'étais en mode bon bah au pire si le film est nul je ferme les yeux et puis j'écoute de la musique, tu vois. Ouais.
Et je rentre dans la salle et je suis ressorti. J'étais en mode, ok, effectivement, c'est... c'est un des meilleurs. C'est, ouais, directement, je l'ai mis dans le top 3 en mode, bon, bah, il y a Iron Man, il y a Avengers et puis il y a Gardien de la Galaxie, quoi. Il est exceptionnel, ouais, ce film. Un peu pareil. Mais parce qu'en fait, c'est tout simplement un film d'auteur. Et comme il se permet de reprendre un petit peu à zéro les bases de la saga, parce qu'on est dans un univers qu'on connaît peu, il n'y a que Thanos, en fait, qu'on connaît d'avant. En fait, il a pu vraiment s'éclater à créer un peu son univers. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il a été encadré ou pas, mais ce qui est certain, c'est que même le rythme, les gags et les dialogues et tout ça, on est sur vraiment un film assez d'auteur, en fait. C'est un des films qui dénote le plus de la réalisation globale du MCU, qui a été assez, on va dire, uniforme, en vrai, dans l'ensemble, ce qui permet une meilleure lecture, mais moins de liberté. Et là, on a l'impression qu'il a vraiment pris des libertés dans cet univers-là, en se disant, je suis loin de la Terre, donc en fait, je peux me permettre de fonctionner vraiment comme je veux. Et on a l'impression que les studios l'ont quand même assez laissé faire. Et ça fait du bien d'avoir un vrai auteur et un vrai scénariste qui met de sa patte fort et qui n'a pas l'air d'être trop bridé par les studios. Et puis même, bon, il y a forcément les studios qui ont été obligés, qui étaient forcément derrière. Et là où c'est ouf, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises sur ce film, et surtout au niveau du 2, qui vont impacter vraiment... l'aspect visuel du cosmique, tu vois, parce que il y a beaucoup de décisions artistiques qui ont été prises sur les Gardiens de la Galaxie et les Gardiens de la Galaxie 2 qu'on retrouvera dans Captain Marvel. Oui. Et qu'on retrouvera aussi dans Endgame. Et là, je suis et qu'on retrouvera beaucoup dans Ragnarok. Oui, et qu'on retrouvera aussi dans Ragnarok. Ragnarok, c'est presque un Gardien de la Galaxie en termes d'ambiance. Ouais. Ah oui, bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça génial en mode, ok, tu vois, genre, c'est pas chaque film a son identité visuelle. C'est en mode, ok, bon, chaque film a son identité visuelle, mais on garde quand même les mêmes trucs, tu vois, notamment quand. Quand ils font des jumps dans l'espace, on dit ils ont gardé cette espèce de truc de pentagone où le vaisseau il traverse des pentagones pour aller plus vite dans l'espace. Ouais. C'est bien qu'ils aient gardé ça tout le long, quoi. En mode que bon bah là c'est pas le même réal, du coup on change toute la direction artistique du truc. Oui, ouais, disons que pas été gênant, mais on reviendra dessus. Mais on reviendra dessus sur le prochain comme ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Mais disons que la galaxie super antagoniste tant Ronan que Thanos. Parce que là, tu te rends compte du pouvoir de Thanos et à quel point il fait peur, et à quel point Ronan, du coup, il s'en bat les couilles de tout. Et en plus, c'est la fois, je trouve que c'est le moment où le pouvoir des pierres d'infinité sont extrêmement. Où le spectateur comprend que, ok, en vrai, la saga tourne autour de ça, d'accord, ok, j'avais pas compris. Parce que déjà, ça installe vraiment ça. Parce qu'il y a dans The Dark World, Thor 2, Thor 2, c'est avant, effectivement. Oui, on en a parlé, on a juste été très vite dessus. Il y avait le collecteur dans la scène post-générique, et là, on retrouve Benicio del Toro, donc le collectionneur, et qui t'explique ce que sont les pierres d'infinité, et ça t'explique aussi que la saga gravite vraiment autour de ces pierres, et te rend compte du pouvoir qu'elles ont. Ouais, moi c'est qu'à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Parce que le Tesseract en mode, ok, genre ça sert juste à faire des trous dans l'espace, okay, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Là tu te rends compte. Ah oui, d'accord, effectivement, oui, c'est des trucs qui... Ouais, ok, quand tu les as, t'es un dieu en fait. Est-ce que les Avengers avaient conscience de ce qu'ils avaient entre les mains là? Ok, faut sauver la Terre, mais est-ce que vous avez conscience de tout le bordel que c'est? Mais si tu vois, on en reparlera autour de Endgame et tout ça, de comment Endgame a été installé au sein de la série de la saga, pour revenir là-dessus, parce que là on est en train de parler de beaucoup d'autres films qui ne concernent pas les Gardiens de la Galaxie, donc je propose qu'on passe au prochain. Voilà, du coup, sur les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'est là où il justifie le nom de la saga, quoi. Donc la saga de l'infinité, tu vois. Donc, ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'il a réussi à le faire en gardant un film qui n'est pas juste un film de lancement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est bon. C'est qu'il te prépare tout l'univers, toute la saga. Enfin, il t'annonce la saga tout en étant vraiment propre à lui-même, quoi. Avec un début, un milieu, une fin, ses propres intrigues qui servent à la fois l'univers étendu et lui-même. Et ça, je trouve ça... exceptionnel. Non, ce film, pour moi, il a quasiment c'est un peu défaut. Comme le film. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un Iron Man, mais pour la phase, la phase 3. Il y a une espèce d'installation d'un nouvel univers. En tout cas, on est sur une plaque tournante. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on avait arrêté l'émission à cet endroit-là. C'est parce qu'en fait, vraiment, les Gardiens de la Galaxie étaient, pour nous tous, je pense, un espèce de tournant au sein de la saga qui va t'annoncer qu'en fait, l'univers est réellement bien plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des méchants qui viennent sur Terre affronter des gars qui viennent plus ou moins d'autres planètes. Ça se passe partout, en fait. C'est une guerre de l'univers, en fait. Voilà. Le film d'après. Donc, numéro 11, Avengers, Age of Ultron. Et là, Simon, je le vois qui sourit. Donc, retour de Josh Whedon à la réalisation d'un Avengers.
Qui n'avait rien fait depuis Avengers 1 au sein du MCU. Au sein du MCU, non, il n'avait rien fait depuis Avengers 1. Il était producteur exécutif sur tous les films, par contre, je crois. John Favreau, c'est sûr qu'il est producteur exécutif sur tous les MCU, pour moi, mais. Joss Whedon est producteur exécutif très régulier, quand même. Ouais. Jusqu'à Avengers 2. Jusqu'à Avengers 2, parce qu'après, il s'est fait jeter, puis il est allé chez DC, puis DC l'ont jeté. C'est dommage. Et là, il est en train d'en prendre plein la gueule. C'est dommage d'avoir jeté la poule aux œufs d'or, quand même. Voilà, sur Justice League, je sais pas si vous avez vu, mais il en prend plein la gueule. Hein. Oh, putain, c'est quand même raide. Hein. Non, mais là, justifié, parce que c'est... Bref, mais vous lirez les articles sur Josh Whedon et Justice League, on en reparle, c'est pas le débat. Ok. Age of Ultron. Ouais, donc là, ce qui m'a plu dans Age of Ultron, c'est que c'est à la fois une bonne suite du premier Avengers et du Soldat de l'Hiver, je trouve, mm-hmm. de Captain ouais. America 2. Mm-hmm. Donc t'as à la fois une suite de deux films différents et c'est... Et... Je sais pas, j'ai pas grand chose de spécial à dire sur ce film, à part que j'ai beaucoup aimé comment un peu l'aspect visuel s'est renouvelé par rapport à Avengers 1. Ouais. Bah forcément, les technologies qui avancent, donc ils peuvent se permettre d'essayer plus de trucs. Mais globalement, non, je l'ai vraiment surkiffé. Après, je sais pas, je trouve rien de particulier à dire. Après, je vais rebondir mm-hmm. sur... Moi, personnellement, je l'avais pas mal aimé, moi, comme j'aime tous les films en fait, mais je trouve qu'il est quand même assez important parce qu'il met en place l'arrivée de certains personnages qui vont être importants par la suite. Je pense à Vision, je pense à Wanda, ouais. Wanda, voilà. Bon, Silver, non, enfin c'est Silver. Quicksilver. Ouais, Quicksilver, voilà, pas vraiment. Oh, Taylor Johnson, toujours dans mon cœur. Oui. Tu n'es pas mort. Mais il est très intéressant parce que je trouve qu'il y a des scènes quand même assez remarquables, notamment la scène d'introduction en fait qui commence directement sur un combat. Qui te met directement dans le bain en fait, et ça je trouvais ça super parce que enfin tu mets pas du temps à rentrer dans le film, t'es directement dedans parce que c'est directement une scène de combat qui plus est superbe parce que bah il y a des mouvements de caméra qui passent de partout. Je crois que c'est un plan séquence en plus, enfin c'est un faux plan séquence mais voilà, pour un spectateur techniquement la caméra, enfin il y a pas de cut, voilà, et puis ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça remet en place encore une fois ce qui va se passer dans Civil War et tout. Enfin, on voit les tensions qui se mettent en place, on voit les problèmes politiques aussi, etc. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que ça te met un peu plus les pieds sur terre en mode c'est un film de super-héros, mais ça se passe quand même dans un monde réel avec des problèmes politiques, des problèmes de relationnel, etc. Donc, voilà. Je trouve ça assez pas mal en vrai. C'est pas le meilleur, mais il est bien. Alors, juste sur la scène d'intro, là où c'est très bien aussi, quelque part, de commencer sur un combat. Parce que ça te remet dans le contexte de la valeur de force en fait qu'ils ont tous. Mmh. Ok, les capacités d'Iron Man, c'est quoi? Captain America, Hulk, Thor. Tu te rends compte à chaque fois de leur pouvoir et de leur ce qu'ils sont capables de faire et ce que les autres sont pas capables de faire, tu vois. En mode, bah, t'as Hulk, après t'as Natasha, t'as Clint et tout. T'es un peu en mode, ok, voilà. Okay, à quel niveau ils sont en termes de force tous, les uns par rapport aux autres. Ouais. Alors moi, je vais parler un petit peu plus de ce film parce que c'est tout simplement mon préféré, je pense, de la saga. Après Avengers, parce que Avengers, c'est génial, mais ça, c'est admis de tous. Celui-là, c'est vraiment le plus sous-côté et je pense celui que je chéris le plus aussi parce qu'il est détesté, pour moi, à tort. Oui. Et c'est tout simplement une énorme victoire de réussir à refaire un film de réunion qui tienne autant la route. Déjà le premier était une victoire, mais là ça l'est encore plus parce qu'ils ont été séparés, donc on les remet tel que était leur relationnel, mais en même temps avec les histoires qu'ils ont chacun eu de leur côté, leurs évolutions, ce qui va commencer à créer des vrais débats entre eux. Il y en avait déjà dans Avengers, mais là c'est d'autant plus fort entre d'un côté Tony Stark qui veut la sécurité en fait, et de l'autre côté Steve Rogers qui justement lui prône une liberté et dit faites attention en construisant des trucs, on se fabrique nos propres ennemis. Donc là on revient au Soldat de l'Hiver, on revient au futur Civil War, Soldat de l'Hiver pardon. Et ce qui est génial, c'est que le film et Iron Man 3, et comme tu l'as dit, on sort des Gardiens de la Galaxie, alors on se dit l'univers est immense, on se dit voilà, et là pourtant on revient à des problèmes terrestres, et c'est un très bon moyen de montrer qu'on a quand même plusieurs vibes, c'est-à-dire d'un côté on a le gigantisme de l'univers et de l'autre côté on a des problèmes très concrets, et là c'est complètement présent et admis dans la saga. Ils veulent créer des défenses sur Terre parce qu'en fait la Terre est quand même complètement dépourvue de défense, et au final la position qu'avait Nick Fury dans Avengers 1, Tony Stark est passé de ce côté-là. Il nous faut une arme capable de défendre. Donc en fait, il y a l'évolution de Stark qui commence à penser comme Nick Fury, c'est-à-dire il faut construire nos armes. De l'autre côté, on a Steve Rogers qui dit non, en fait, fais pas ça, quoi. C'est pas bien. C'est, non, et l'autre côté, ce qui est drôle, c'est que ses amis de la forêt. Thor qui avait dit dans Avengers 1, il faut créer, enfin, il faut pas comment. Oui, si vous créez une arme, c'est que vous êtes prêt à une guerre supérieure. Ouais, ouais. Et là, qui pour le coup crée Vision,
parce que justement, il a eu lui-même une vision, génial, mais il crée ça parce qu'il a vu le futur, il n'y a plus le choix. Donc en fait, il y a cette notion, on commence à avoir ce que dit exactement Tony Stark, c'est « that's the end game ». C'est on arrive au stade où là il n'y a plus le choix, il faut qu'on crée ce genre d'armes, il faut qu'on fasse ce genre de choses, et ils le font avec Vision au final, parce que finalement c'est Tony Stark qui l'emporte dans cette partie à terme. Donc c'est tout un débat qui commence déjà à instaurer déjà Civil War, donc on est dans la suite de ce qu'a connu Captain America, qui a évolué dans le bon sens par rapport à sa saga elle-même, à son vécu. On commence à avoir Tony Stark qui a évolué aussi dans le bon sens par rapport à son traumatisme normal post-traumatique qui crée, en fait, on a besoin de sécurité. On l'avait déjà vu avec le 3 quand il créait armure sur armure. Et en fait, l'évolution des personnages dans ce truc permet de recréer une nouvelle tension au sein d'Avengers, tout en les présentant toujours bien et en les faisant toujours bosser autant. C'est-à-dire que c'est étonnant d'avoir un film avec 6 personnages qui sont tous les 6 bien exploités. Parce qu'en plus, on a aussi le relationnel très humain. On revient avec Jeremy Renner, toute cette scène dans la maison. Justement, ouais. qui est quand même une espèce de pause, et surtout la dignité de nos héros dans net, c'est-à-dire que les héros sont admis, ils sont admis par la société, tout ça, et après le saccage qu'il y a eu à cause de Wanda sur Hulk justement, quand ils ont détruit la ville là, en fait ils sont là, mais oui, mais est-ce que finalement on n'est pas des dangers pour les autres? Donc en fait il y a leur propre remise en question, est-ce que la sécurité, est-ce qu'on est prêt à faire ce pas là pour la liberté, tout ce film là parle déjà et instaure déjà à tous les degrés de lecture ce qu'on va avoir dans Civil War. Et donc réussir à faire passer autant de messages tout en refaisant un film réunion, en redonnant de la crédibilité après un film comme Les Gardiens de la Galaxie qui te montre quand même que l'univers est immense, et en continuant avec Thanos, en continuant avec, en fait, tout est dans une continuité, et le film est très bon en soi, puisqu'on a vraiment un début, un milieu, une fin, une vraie évolution des personnages qui sont en désaccord, qui finalement se mettent d'accord. Et c'est extraordinaire d'avoir rajouté 3 personnages, avec Wanda, Vision et Quicksilver, d'avoir déjà les 6 de départ, de tous bien les traiter, de faire un super film comme ça, et qui en plus est cohérent au sein de sa saga, et c'est pour ça qu'il est encore plus fort qu'Avengers, c'est qu'il ne se contente pas de les réunir, il les re-réunit, et il fait avancer la saga concrètement pour une suite. C'est-à-dire, contrairement à Avengers 1, où on disait « oui, mais comment tu reviens à des films solo ?» quand ils se sont rassemblés une fois, et qui n'ouvraient pas vraiment cette possibilité-là. Là, on sait, la tension qu'il va y avoir dans Civil War, elle est déjà présente. C'est pas parce qu'ils sont réunis peu avant qu'ils vont pas se disputer. Il y a déjà des énervements qui commencent à se déclencher, des conflits. Donc c'est pour moi le film le meilleur, dans le sens où c'est celui qui à la fois est réussi en tant que film, mais surtout aide à ce point la saga. C'est vraiment un pivot qui va vraiment aider tout ce qui va se passer par la suite et ce qui s'est passé avant. Tout est logique au sein de ce film. Ouais, disons qu'avec tout ce qu'ils devaient montrer dans ce film, ils n'auraient pas pu faire mieux en soi, je pense. Voilà. Bah voilà, le seul truc, je m'y attache énormément. En plus, Ultron est génial. Oui, ouais. Pour moi, le seul truc inutile dedans, c'est la romance entre... Non ! Non, tais-toi ! Non, arrête ! Tu n'as pas le droit ! Entre Black Widow et Hulk. Natasha Romanoff et Bruce Banner, c'est quand même le meilleur couple de tous les temps. Quoi. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas. C'est dommage, c'est qu'il n'est pas plus développé, parce que j'adore le passage qui dit. Ah oui, je l'adore, c'est ma réplique préférée de tous les MCU. Ouais, je crois aussi, ouais. Quand Natasha va voir Bruce, qu'elle lui dit tous mes amis sont des bagarreurs. Et c'est là qu'arrive ce gars qui a passé toute sa vie à éviter de se battre parce qu'il sait qu'il gagnera. Ouais, j'adore. Ça t'explique et très bien le. C'est, mais c'est aussi un gros balourd. Hein. J'adore, parce que c'est exceptionnel. Je trouve que ça explique très bien le rapport qu'ils ont avec Hulk, en fait, cette notion-là. C'est qu'elle, elle arrive par la tendresse, mais c'est ce côté, ils sont tous là, on a un Hulk, et toi, t'es tout le temps là, oui, mais vous êtes très puissant, s'il y a tort. Hein. Et en fait, non, c'est que Hulk, pour eux, c'est leur arme ultime, quoi. Et j'aime bien comment elle l'apporte, mais avec tendresse, ce truc-là. Ouais. Et puis après, tu vois Hulk qui pète un câble, et que du coup, il y a Véronica, en mode Bruce Banner, qui... ils en parlent au début du film, il y a un peu un fusil de Tchekhov sur Véronica, où... quand ils parlent d'Ultron, et que Tony Stark et Bruce Banner... disent qu'ils ont créé Véronica ensemble pour, au cas où, Hulk qui pète un câble. Ouais. Donc ils ont créé des armes aussi au cas où les Avengers deviennent méchants eux-mêmes. Et là, ce qui est génial, c'est que tous les gens qui disent, par exemple, bah oui, mais s'ils sont tous ensemble, pourquoi est-ce qu'on les voit jamais ensemble dans leurs films perso? Bon, déjà, on peut l'expliquer film par film. Dans Avengers, c'est pas vrai, parce qu'à la fin de Avengers 1, on voit Bruce Banner et Tony Stark partir ensemble. Mais ce qui est génial, c'est le fait qu'ils aient créé ensemble, c'est-à-dire que non, ils ont quand même une vie à côté, ils se voient ensemble. Bon, ils ont des problèmes aussi de leur côté et tout ça. Bah, comme dans Iron Man 3. Mais là, ils se. Ouais. Dans Iron Man 3, la scène post-générique, en fait, on se rend compte que.
que Tony Stark il est en train de raconter sa vie à Bruce Banner, tu vois. Puis Bruce Banner qui s'est endormi, donc il y a une petite vanne, mais globalement. On peut imaginer que eux ils ont développé un rapport justement pour essayer de contrôler Hulk et tout ça. Enfin, c'est très très intéressant. Je trouve que là on a vraiment la notion de ce qu'est un univers étendu et comment faire des films ensemble avec un univers étendu. Et avec Andy Serkis et l'arrivée d'Andy Serkis dans le MCU et le Vibranium. On commence à te teaser petit à petit le Wakanda, Black Panther et le Wakanda qui arrivera. Mais il y a tout, c'est fou. Tous les films sont dans Avengers et le pire, c'est que c'est cohérent. Et ils te préparent les trucs vraiment petit à petit, comme ça dans Civil War, quand on parle du Wakanda et du Vibranium, t'es pas en mode ok, ça sort de nulle part. Bah non, Andy Serkis, on l'a déjà vu, on nous a déjà parlé du Vibranium, on nous a parlé de Howard Stark qui était en mode. Qui avait récupéré du Vibranium aussi là-bas. Donc ce film installe énormément de choses tout en restant cohérent dans son univers. Et en plus, tu peux presque le regarder en tant que film seul. Enfin, pas vraiment, parce qu'il faut connaître les personnages. Tu peux regarder Avengers 1 et après Avengers 2, quoi. T'as pas besoin forcément de te taper tout le reste. Parce que obligé d'être au taquet sur tout. Il va te manquer des trucs. Tu comprends ce qui te manque aussi. T'es en mode, ah ok, ils sont comme ça, donc il a dû se passer. Il y a plein de choses. À chaque fois que je le revois, je redécouvre des trucs. Enfin, il y a énormément de choses qui sont planquées dedans et qui sont pas de l'easter egg pour être de l'easter egg. Ça fait avancer l'ensemble de l'intrigue. Ça apporte aussi à la saga une nouvelle pierre d'infinité qui était le sceptre de Loki. Donc voilà, on continue à placer la Sokovie, tout le conflit de Civil War quoi au final. Voilà. Tout est dans ce film, je trouve. Et puis il y a Paul Bettany qui joue Vision, qui est un super choix. C'est un peu bébé quoi. Puis on installe aussi, on n'en a pas parlé parce que bon, c'est pas super important, mais la famille de Hawkeye. Qui sera importante dans Endgame. Voilà. Et la notion de famille d'ailleurs qui du coup trace des idées dans l'esprit du coup de Tony Stark et de Steve Rogers. Oui, en fait, on a le droit d'avoir une vie aussi. Donc en fait, rien n'est inutile dans ce film et tout sert la suite ou le propre film. Et c'est pour moi, c'est vraiment ça qui a placé pour moi Joss Whedon comme étant le meilleur réalisateur du MCU, parce que c'est peut-être pas celui qui a la patte la plus originale, mais par contre, lui, il sait servir une saga, parce que entre Avengers et Avengers 2. Enfin, c'est vraiment c'est un mec qui sait comment faire un film au sein d'une saga et un film de rassemblement qui plus est, donc encore plus difficile. C'est admirable. C'est un très beau boulot, je trouve. Il a en plus une scène que je trouve très 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 très, très belle, la scène de Vision de Tony Stark où il voit tous ses amis morts autour de lui. Oui, elle est magnifique. Et cette scène visuellement, elle est magnifique. Elle fait référence beaucoup aux comics en vrai. Oui, en plus, et elle a un propos que je trouve très 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 fort. Et après, ils en parlent, tu vois, et puis et Captain America, Tony Stark, il dit « Oui, mais si on n'est pas armé, si on n'a pas Ultron, on va perdre. » Et Captain America lui répond « On va perdre ensemble. » Et ça, je trouve que c'est magnifique parce que c'est un truc qui revient au tout début d'Endgame. Et quand Tony Stark, il pète un câble contre Steve Rogers en mode « T'as dit qu'on perdrait ensemble, t'étais où, mec ?» Oui. Et j'aime bien, oui, effectivement, ils ont perdu. Et tu vois, ça annonce le fait qu'à un moment donné, spoiler, ils vont perdre. Mais j'adore aussi toute la notion de l'entente. Là où elle marche super bien, c'est que c'est un film qui rit avec les personnages et pas deux. La première scène, on pourrait parler, tu sais, la scène d'intro où il reproche Steve, tu sais, pas de gros mots. Où il fait pas de gros mots, tu vois. Et ils reviennent dessus plusieurs fois. Et on pourrait dire, ouais, c'est un peu facile. Mais enfin, tu rigoles avec des mecs où tu te dis, en fait, oui, c'est une équipe, sans cohésion, forcément, ils se chambrent. Et en fait, t'as ça aussi avec le moment où ils doivent soulever le marteau de Thor. Elle est énorme, cette scène. C'est vraiment la meilleure scène pour moi. La scène de la soirée, c'est. Il a dit un gros mot, putain, mais vous l'avez dit à tout le monde. Oh putain! Alors, je viens de me rendre compte que le moment où du coup il y a Captain America qui soulève presque le marteau et que c'était une blague, mais en fait, spoiler, pas vraiment. Non, mais ça, déjà à ce moment-là, ça n'était pas une d'ailleurs. Il le prend sérieux tant que c'est un seul qui pourrait en être digne parce qu'il est complètement dans l'abnégation de lui-même en fait. Ouais, je crois que je sais plus, c'est Kevin Feige ou c'est Josh Whedon. Excusez-moi, je parle loin du micro. Je sais plus qui est-ce qui a dit, mais en tout cas, il y a des gens de la prod ou les scénaristes ou je sais plus quoi. Quand on l'avait reproché du coup à la sortie d'Endgame en mode oui mais Captain America on avait vu qu'il ne souvenait pas de marteau et puis du coup comme t'as dit tu vois en mode mais qu'est-ce que vous fait croire qu'il a pas réussi, ça se trouve il voulait pas genre foutre la honte à Thor tu vois en fait Dos puis oui, ça se trouve il s'en fout aussi de prendre Asgard, il a pas envie. Comme il dit, la dignité ça s'acquiert au fur et à mesure, il faut faire ses preuves. Et mais tout instaure, enfin tu vois, t'as le
T'as Banner qui s'énerve dessus, qui fait semblant de se transformer en Hulk, et donc du coup la vanne qui marche pas. Et voilà, c'est une et donc il est attachant, mais c'est tout ce qui est Banner, c'est un personnage qui est attachant. Tony Stark et l'autre là, justement, qui essaye de Rhodey, soulever, tu vois, avec leur truc. Attendez, je reviens, et puis qui va chercher Rhodey, tu vois, avec son armure. Jeremy Renner qui a envie d'essayer, qui essaye, mais qui admet, tu vois, et t'en as d'autres qui. Et puis Natasha qui est en mode non, moi je veux pas avoir la réponse à cette question, en mode je sais que je suis pas digne, j'ai pas envie de m'humilier devant tout le monde, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu vois la personnalité de chacun et tu rigoles avec eux. Et là d'ailleurs, là, c'est pour moi la scène de la soirée, c'est la meilleure scène, c'est pour ça que j'ai pas de mal avec la romance avec Hulk, c'est qu'en fait tu t'obtiens enfin le fait que bah ouais, c'est des mecs qui bossent ensemble, mm-hmm. Donc en fait forcément ils plaisantent, forcément ils ont un vécu qui est autre que juste combattre des extraterrestres, en fait. Ouais. Ils vont créer des choses ensemble, ils vont faire des soirées ensemble, ils vont bien déconner, et toute cette scène justement où il fait goûter au vieux la boisson des Asgardiens et tout, voilà, Stanley, avec Stanley, et bah, toute cette scène là tu dis bah oui, mais en fait c'est des, en fait ça me rappelle un peu Super Héros Hangover de tu dis mais qu'est-ce que font les super héros quand ils sont pas en train de sauver le monde, bah comme ils... tout le monde, ils font la fête, ils boivent des coups et ils plaisantent, tu vois, et je me dis bah ouais, c'est trop cool d'avoir fait ça, et je trouve que ça humanise vraiment, c'est le film qui humanise le plus tous ces personnages. Ouais, et surtout Thor. Thor qui était genre très loin quand même. Là, on nous le rapproche à quelque chose de. C'est de le premier film qui lui met un peu de l'humour, qui lui met vraiment un personnage attachant et musique, qui va évidemment se prolonger avec Ragnarok et avec les autres. Mais on commence à voir un petit peu son côté humain chez lui et pas que Dieu, en fait. Ouais. Voilà. On va passer au prochain, je pense. Donc, je vais juste revenir sur la relation Natasha-Bruce. C'est pas que j'aime pas. C'est que j'ai l'impression que c'est soit surexploité, soit sous-exploité. Enfin, qu'il y a, y a un truc. Je suis d'accord. Ce qui est dommage, c'est que ça va nulle part, au final. Voilà, c'est ça, c'est dommage. Mais en même temps, mais ça, tu vois, le fait que ça aille nulle part, à la fois c'est dommage, mais à la fois c'est bien. Parce que quelque part, ça montre que bah, une relation ne va pas forcément à un mariage, à une vie heureuse. Et qu'ils ont des vies compliquées avec leur destin de super-héros et tout ça. C'est juste que ce que je trouve qui a été dommage, c'est que bah, ça va à nulle part, mais parce qu'ils ont arrêté court le truc, ils ont coupé court le truc et qu'ils n'ont pas trouvé vraiment de fin à cette relation. Tu vois. On s'est juste dit, c'est passé où ça. Ils avaient autre chose à foutre aussi. Voilà, c'est ça. Genre, c'est pour ça qu'elle me gêne pas dans Avengers, en fait. Elle me gêne dans le MCU, mais elle me gêne. Je la trouve pas assez exploitée dans le MCU, mais au sein de Avengers 2, la manière dont ils la présentent. Et justement, les doutes, et puis l'autre qui dit, mais tu sais que je pourrais jamais avoir de gosse. Et elle dit, mais moi non plus, tu crois qu'on est le seul monstre. Et là, tu te dis, mais ouais, non, mais attends, deux secondes, ne pas avoir de gosse, c'est pas être un monstre. Et tu te rends vraiment tout... compte à quel point Black Widow en a pris plein la gueule aussi avant. Ça instaure à la fois le passé des personnages, ce qui les trouble. Et c'est vrai qu'on voit pas jusqu'ici trop ce qui trouble Hulk, parce que t'es là, bah attends, mec, t'es entouré de gens qui peuvent te gérer. T'arrives à utiliser tes deux personnalités très, très, à leur paroxysme, et t'es là, bah voilà. Et je trouve que c'est par ce genre de relation que tu vois en fait à quel point ils sont prisonniers de leur passé. Donc en fait. Il est très 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 bien géré dans Avengers. Après, je suis d'accord que peut-être dans la suite, il n'est pas assez exploité, en effet. Mais au sein d'Avengers, tout est pour moi très bien fait. Il ouvre plein de portes qui derrière seront plus ou moins bien exploitées par la suite. Mais c'est des très très bonnes idées à chaque fois. Mm-hmm. Donc, film suivant, numéro 12, Ant-Man de Peyton Reed. Voilà, j'étais pas sûr. J'étais en mode attends, Peyton Reed, non, c'est pas celle qui a fait. Réalisé en 2015. Et qui devait 2015. Être fait par Edgar Wright. Alors, Edgar Wright, qui, contrairement à ce qui a été dit, a été jarté de la production très très rapidement au final. Oui, je pense. C'est genre en 2010, il a été jarté de la production, tu vois. Donc, il est pourtant marqué dans les writers. Il est toujours crédité, effectivement, en tant que co-scénariste. Voilà. Et ça se ressent. Parce que quelqu'un qui ne sait pas que c'est pas Edgar Wright, enfin si tu mens à quelqu'un en lui disant que c'est Edgar Wright qui l'a réalisé, il va être d'accord avec toi. Parce que c'est un film qui il pue Edgar Wright, ce film. Enfin, il sent bon comme Edgar Wright plutôt. Pas tout, mais il y a vraiment des scènes que tu sens que, enfin les scènes d'explication avec le pote. Oui. Justement, quand il dit j'ai vu tel mec, en fait, qui avait vu tel mec, ça, c'est du montage à la Edgar Wright. C'est très calé. Mais pour moi d'ailleurs, on voit que c'est lui qui l'a pensé sans doute la scène, mais qui l'a pas monté. Parce que ça sent pas un montage assez Edgar Wright pour être Edgar. Quand t'as vu beaucoup, quand tu te ronges du Edgar Wright, et d'ailleurs, c'est pire te le dira, ça se joue quelques fois à des millisecondes. Par exemple, moi, tu sais, dans un court-métrage qui va peut-être bientôt sortir, on verra. Mais j'ai fait une scène un petit peu passage transition à Edgar Wright, et Pierre, il l'a repris, il a dit attends, tu veux faire du Edgar Wright, je vais te faire du Edgar Wright. En fait, il l'a remonté en décalant que quelques séquences, parce qu'en fait, c'est timé à la seconde et à la milliseconde. Et là, c'est vrai que tu vois qu'en fait, il y a un petit peu. On sent qu'il a pas été, que c'est pas lui qui a été jusqu'au bout, parce que ça aurait été beaucoup plus loin. Je trouve que Ant-Man est un meilleur Edgar Wright que Baby Driver, tu vois. Alors qu'il a réalisé Baby Driver. Je suis en mode, ok, mais Ant-Man, c'est ma meilleure Edgar Wright. Il l'a pas réalisé, oui, mais c'est quand même ma meilleure Edgar Wright, ok. Dans l'humour, c'est assez Edgar Wright, je trouve.
Ouais. Mais après, pour continuer, aussi. Le film en lui-même, justement, comment est-ce que vous l'avez apprécié, Soren ? Je te vous vois pas, c'est juste que j'ai décidé au dernier moment de... Comment vous l'avez apprécié ? Interrogation. Écoute, Soren, bon, ouais. Point d'interrogation. Bah moi, je l'avais quand même pas mal aimé. Encore une fois, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, donc je me souviens pas de tout, mais je trouve que c'était quand même assez dur pour le MCU de réintroduire un nouveau super-héros qui est en dehors... Surtout en fin de phase 2, tu vois. Voilà, surtout en fin de phase 2, qui est en dehors de tout ce qui a été fait avant. Enfin, c'est dur. Moi, je sais quand même, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télé quand il est passé, tu vois, parce que je me suis dit, ouais, bof, j'ai un peu la flemme d'un nouveau super-héros, tu vois. Et au final, il est très bon, donc c'était my mistake, tu vois, parce que le personnage est très attachant, le héros est très attachant, et puis en plus, il va avoir un rôle très important par la suite. C'est Paul Rudd ! Voilà. Disons que si tu le vois pas quand il sort et que tu regardes après Infinity War Endgame, bah, tu dis ah merde, j'ai loupé un truc, tu vois. Donc c'est dommage, mais en soi, il est très bon. Je trouve qu'il y a... Mais je suis tout à fait... Il y a de très bonnes idées. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que, alors, au-delà des scènes en miniature que je trouve très intéressante cinématographiquement, je sais pas pourquoi il y a une patte qui dedans qui fait que ça marche. Tu vois qu'il est petit. Enfin, c'est pas le reste du monde qui est grand, c'est lui qui est petit. Ouais. Et ça, tu le ressens. Et ça, je trouve ça très fort. Avec la scène du vinyle dans finalement, la salle de bain, dans la soirée et tout. Ouais. Ah ouais. Mais à part l'attache, en fait, à part le personnage qui est très agréable en tant que père, qui essaye de faire bien les choses, mais qui au final se retrouve toujours happé par son passé, à part ce personnage très attachant, je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui sauve, entre guillemets, le film. Qui, entre guillemets, les enjeux, on s'en bat les couilles. Commun. Bah ouais. Et surtout qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est-à-dire ce film de tu vas devenir un héros et tu vas devoir être à la hauteur. Et voilà, en fait, je trouve qu'on commence à arriver dans le défaut, je trouve, de la fin du MCU, c'est-à-dire d'essayer de rajouter au dernier moment plein de super-héros, qui à chaque fois donnent quasiment toujours des bons films. Mais où tu arrives à un stade où, attends, et tu veux pas passer plus de temps à développer les autres déjà, parce que quand tu le fais, c'est génial. Hein. Et je trouve que, ouais, on commence à arriver dans un espèce de... on va vous mettre tout le monde. Par contre, du coup, forcément, vous allez connaître beaucoup moins. Disons que pour moi, Ant-Man, si je devais dire comment j'ai ressenti le truc, c'est que ils devaient avoir dans ma tête, ils avaient l'idée de Infinity War et d'Endgame, de comment ça allait se passer. Mais ils se sont dit au dernier moment, ah merde, mais Ant-Man, on n'a pas fait de film sur lui, tu vois. Et que du coup, ils en ont fait un au dernier moment. Ant-Man aurait dû sortir avant Avengers 2, en fait. Mais ça donne cette impression un peu, moi, je trouve, je suis d'accord. Et ouais, ça donne cette impression-là en mode, merde, on n'a pas fait de film, on va vite bricoler un film pour présenter le personnage, et puis comme ça, il sera là pour Avengers Endgame et Infinity War. Et encore, ils l'ont fait avant, parce que Spider-Man, ils l'ont fait après. Oui. Mais je trouve qu'on arrive, ouais, on arrive un petit peu à ce problème-là du MCU, mais. Et d'ailleurs, que je trouve qu'il sera symptomatique. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur Infinity War, évidemment, on y reviendra. Mais tu vois que les personnages auxquels on n'a pas le temps de s'attacher, bah, c'est ceux qui ne vont pas faire Endgame, enfin, qui vont être là qu'à la bataille finale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'on ne peut pas s'attacher en un film. Et encore, là, il y en a. Bon, t'en as un deuxième, mais il est après Endgame. Mais... Enfin, non, il est avant Endgame, je dis une connerie. Mais dans le deuxième Ant-Man, t'as un deuxième Ant-Man. Mais qui même. Est après Infinity War. Mais même avec deux Ant-Man. Tu t'attaches pas à lui comme tu t'attaches à un Tony Stark. Oui, ah bah oui. Et, ou à un Captain America, ou tous les super-héros qui sont là dès la phase 1, parce qu'en fait, on n'a pas pu les développer assez indépendamment, ou les faire apparaître dans assez de films. Après ça, je trouve ça dommage. On y reviendra surtout sur Civil War, donc juste après. Parce que je trouve quand même que les personnages sont vraiment ultra bien traités. Au sein du film, tous les personnages, je les trouve attachants, tu vois. Michael Douglas que Evangeline Lilly, tu vois. Le film, pour moi, le teasing de The Wasp et tout, je trouve vraiment, vraiment très intéressant. Pour moi, il est un peu comme les Gardiens de la Galaxie, mais moins l'enjeu qui va donner la suite. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie, au moins, ouvre sur Infinity, toutes les pierres d'infinité. Mais là, Ant-Man en lui-même n'apporte rien à la saga, si ce n'est Ant-Man. Et je trouve ça dommage d'en arriver au stade où t'es... où tu vas développer un nouveau personnage, reprendre un arc narratif énorme pour finalement rajouter un super-héros. Dans ces cas-là, j'ai presque envie de dire, rajoutez-le au sein de plusieurs films. Faites comme vous avez réussi à faire avec Natasha Romanoff ou avec Jeremy Renner. Du coup, je donne un nom d'acteur, un nom de personnage, génial. Du coup, personne s'en repère. Hawkeye et Black Widow, parce que eux, t'avais pas eu de film sur eux, mais en fait, ils étaient assez présents au sein du MCU à droite à gauche pour que ça fonctionne. C'est vrai. D'ailleurs, le film Black Widow était teasé soit pour la fin de la phase 2, soit pour le début de la phase 3, de base. Il n'est toujours pas sorti. Il aurait dû. Quand la phase 2 s'est terminée, ils se sont dit non, mais il y aura Black Widow après Civil War. Ouais, en fait, non. Ok, Black Widow va ouvrir la phase 4 et ça se passera après Civil War. T'es en mode. What the fuck? C'est quoi le projet, les gars, là? Surtout que c'est la seule héroïne féminine qu'on a pour l'instant et qu'elle a toujours pas de film, alors qu'elle est assez importante dans les Avengers et tout. Donc c'est... Carrément, ouais. Parce qu'on la voit, c'est une de celles qu'on voit le plus dans des films parallèles. Voilà. Et en plus. The Wasp et Captain Marvel. Après, il y a Captain Marvel qui arrive. Il y a The Wasp, qui est un peu trop en retrait, je trouve, The Wasp. Mais
qui est quand même là, quoi. La seule décision bonne pour moi qu'ils ont prise dans ce film par rapport à la saga, c'est le fait qu'il aille cambrioler quelque chose chez les Avengers, parce que ça annonce sa posture d'être un espèce de je vais faire partie des Avengers, mais je suis quand même un peu, je suis rentré vraiment par la porte de derrière, quoi. Ouais. Et donc finalement c'est un peu à l'image du film, quoi. C'est on te le sort un petit peu de derrière la porte claque, et il a rien fait de vraiment super héroïque, parce que le méchant par contre, qu'est-ce qu'il est mal foutu, je trouve. J'adore l'acteur. C'est l'acteur qui joue dans House of Cards, tu vois. Donc, voilà. Moi le personnage s'appelle Russo, comme dans House of Cards, par contre, du coup, parce que. Eh, mais c'est le sénateur Russo, ça. Ah non, c'est un autre personnage, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Je sais plus, j'avais vu dans autre chose aussi, mais enfin bref, c'est un. C'est un super acteur. Lui. C'est un super acteur, mais franchement, son enjeu, on n'arrive pas vraiment. Il n'y a pas assez d'enjeu. Ouais, il est peut-être des fois un peu trop. Pourtant, super casting. Il est peut-être un peu trop cruel, des fois, genre quand il tue le bouton là, ou le petit agneau, je suis en mode beaucoup trop méchant. C'est un peu de la méchanceté caricaturale, et c'est loin de la subtilité qu'on pouvait avoir avec des Ultron. Ouais. Et même un Thanos par la suite. C'est que là, on est sur un méchant qui sait qu'il est méchant, puis point barre, hein, il pense pas que ce qu'il fait est bon, hein, il s'en fout. Le méchant. Voilà, c'est le méchant. C'est le méchant. Voilà, c'est là, pour moi, le film d'ailleurs souffre principalement en tant que film de son méchant qui est pas terrible, quoi. Mais voilà, j'ai juste, même si c'est un peu controversé, dans ce film, j'ai bien aimé la réplique de Ant-Man en mode ok, mais attends, faut qu'on appelle les Avengers. Et puis Michael Douglas comme un je me suis démerdé toute ma vie pour que Howard Stark touche pas à ma technologie, c'est pas pour que son fils, cet enculé de gamin là, il récupère mon truc, ok. En fait, il y a un mélange de deux trucs, c'est-à-dire que à la fois ça part sans doute d'une décision un petit peu c'est une bonne bizarre. Décision, mais c'est l'inverse, je trouve justement, que c'est une décision un petit peu de dire pour répondre à tout ce qu'on nous dit sur notre manque de cohérence. C'est une bonne décision, mais elle a pas été prise pour les bonnes raisons. Bah c'est que en fait le résultat est bien, parce que en fait c'est le seul qui est assez justifié. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils commencent à se dire merde, à chaque fois qu'on sort un film solo, les mecs ils nous demandent pourquoi on sort pas les Avengers, parce qu'ils sont là maintenant, ils sont installés, pourquoi ils viennent pas résoudre le problème. Et là, c'est la seule fois où on a une justification qui est vraiment tangible, parce que le personnage est installé comme ça, est installé comme l'ennemi de Howard Stark, et tout le. Cette molécule qui permet de réduire et tout ça est planquée depuis des années, et ça ressortira dans Endgame et tout. Et donc, ça, finalement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal installé. Ouais. On a réussi à dire pas mal de choses d'Ant-Man, je suis assez surpris. Ouais, moi aussi, ouais, je me suis dit putain. Donc, fin de la phase 2, ouverture de la phase 3. Déjà, ça c'est une belle connerie. Hein. Je vais pas avoir terminé la phase 2 avec Avengers. Ouais, pour le coup, j'aurais trouvé ça. Plus intelligent. Plus intelligent, mais au final, c'est pas plus mal pour souffler. Parce que le premier film, celui qui ouvre la phase 3, numéro 13, c'est Captain America Civil War. Oui, en effet. Réalisé une fois de plus par les frères Russo. Donc voilà, c'est bien de souffler quand même après Avengers, en mode ok, on souffle un petit peu, le public souffle un petit peu, et tac, on remet de la grosse baston en film d'équipe, quoi. Bonjour, ici le directeur d'antenne, et vous l'avez entendu, il faut souffler un petit peu, alors on va faire une pause. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'émission. Nous, ça nous laisse le temps de nous retourner en cette période de confinement qui est un petit peu compliquée au niveau de l'emploi du temps. Et en plus, ça rend l'émission de 6 heures un petit peu plus digeste. Voilà, alors portez-vous bien et à la semaine prochaine pour la suite. Bisous !